Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur AstroTerre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon vendredi et un bon samedi puisque j'ai pas stream hier. Et donc on se retrouve pour AstroTerre. Désolé pour les fans que vous êtes, je suis sûr, de Donjons et Dragons et de Baldur's Gate 3. Mais effectivement, hier soir, je me suis laissé happer par la cérémonie d'ouverture. On a regardé ça avec toute la petite famille. Mon fils ne s'est jamais couché aussi tard. Il dormait sur le canapé quasiment à la fin de la cérémonie, mais il est resté jusqu'au bout. Et du coup, ce matin, on a été hyper tranquille et c'est faux. Non, en fait, à 7h15, il était debout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, en vrai... En vrai, c'était sympa. Quand je dis qu'on s'est laissé happer, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on avait l'intention de regarder que le début, et puis au final, c'était plutôt sympa. Mon fils a adoré le passage des bateaux avec les drapeaux et tout, il voulait voir tout ça. Et moi, j'avoue que j'ai été plutôt assez convaincu par les différents tableaux qui étaient proposés. Il y avait des bonnes idées, il y avait des trucs sympas, et voilà. Et bah oui, Mickaël, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il y avait des petites longueurs, il y avait des trucs un peu moins bien. On sent qu'il y a des choses qui avaient été préparées, notamment autour de tout ce qui est BMX, qui n'ont pas pu être montrées à cause de la pluie. Mais bon, ils y sont pour rien. Quelque part, je suis content de ne pas avoir payé pour assister à la cérémonie, parce qu'être trempé comme ça, enfin bon, avec les enfants, ça n'aurait pas été possible. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé les références historiques, j'ai bien aimé le côté très moderne, j'ai bien aimé le pied de nez à tous les réactionnaires et à tous les extrêmes conservateurs, on va dire, hein, l'extrême droite en gros. Hein. J'avoue que j'ai une petite satisfaction à lire les commentaires dégoûtés de l'extrême droite, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Philippe Catherine. J'ai trouvé ça excellent. Voilà. Je savais que Philippe Catherine serait présent, parce que ça avait été dit. Donc voilà, connaissant son côté provocateur, je m'en attendais pas moins et je n'ai pas été déçu. Franchement, c'était génial. Oui, Gojira. Voilà, Philippe Catherine. Gojira, c'était très bien. C'était très bien. Je n'aime pas le style de musique d'Aya Nakamura, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très bien. Je trouvais que c'était très très bien avec la garde républicaine, le décalage entre les deux, la complémentarité. Je trouvais ça très très bien. Les mignons aussi, ouais, les mignons, c'était très très sympa. Mon fils a adoré les mignons. J'ai bien aimé aussi Arnaud d'Assassin's Creed, hein, je trouvais ça cool. J'ai bien aimé, mon fils a beaucoup aimé les statues qui ont bougé, les tableaux qui ont bougé dans le Louvre, c'était cool. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé, la bande son. Globalement, j'ai trouvé que les musiques étaient plutôt bien choisies, il y avait un peu de tout. J'ai trouvé que le set électro était sympa, le petit medley avec du Darude, avec d'autres trucs, je trouvais ça cool. Je trouvais que sur la péniche, les danseurs, là, après les passages de tous les bateaux des équipes, je trouvais ça que c'était bien fait. J'ai
beaucoup, beaucoup aimé la Marseillaise chantée par la cantatrice sur le toit du Grand Palais. Alors malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de cette cantatrice, mais j'ai trouvé que c'était une magnifique Marianne. Elle était très belle, majestueuse, c'était vraiment une très très belle Marianne pour chanter l'hymne national. Je trouvais ça très cool. Je suis pas un grand fan de Céline Dion, mais bon, voilà, disons que je peux comprendre le plaisir des fans de l'avoir chantée, et puis elle a bien chanté. Un poil déçu, moi je m'attendais à Daft Punk. Je voulais voir la réunion de Daft Punk pour l'événement, mais voilà. Et Aya t'as pas aimé du tout, d'accord, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé le mélange des gens, mais je peux comprendre. Le truc que j'ai moyennement aimé, c'est Jeanne d'Arc sur l'eau. Voilà, j'ai trouvé ça moyen. Encore, il y en aurait eu plusieurs, tu sais, qui seraient venus la rejoindre et tout sur la scène, ça aurait fait un truc, voilà. Mais le côté Jeanne d'Arc, même si je suis d'Orléans, mais le côté cavalière à cheval, ouais, voilà, non, moyennement. Non, il y avait du bon, hein. Ouais, Lady Gaga aussi au début, peut-être un peu moins bien. Le décalage son image aussi des fois. Il reste encore 3 cérémonies, on peut encore voir les Daft Punk. Ouais, mais la cérémonie d'ouverture, ça aurait été quand même le pied. Voilà. Ouais, non, il y avait des trucs. Il y avait des trucs bien. Il y avait des trucs très très bien. La démonstration de la sororité, j'ai trouvé ça cool aussi, les statues des femmes qui émergent comme ça de la scène, j'ai trouvé ça très bien. La mise en avant de la diversité, c'était vraiment une bonne chose, très bonne chose. Non, de toute façon, je serais pas resté jusqu'au bout si j'avais pas aimé, et je suis resté jusqu'au bout. Après le spectacle de laser à la Tour Eiffel, un peu trop épileptique à mon goût. J'aime beaucoup les lasers, hein, mais j'aurais aimé un feu d'artifice, mais peut-être qu'ils le gardent pour la cérémonie de fermeture, de clôture. Peut-être un truc avec des drones. Il y avait beaucoup de lasers. À certains moments, c'était vraiment très un peu trop de lasers à la fois. Par contre, j'ai pensé à Daft Guy. Hein. Daft, franchement, lui qui bosse dans l'éclairage, je pense qu'il a dû faire plaisir à s'il a pu voir ça. Bon, voilà. Et du coup, aujourd'hui, pour revenir sur un plan plus sportif, quelle journée! What a day! Oh, là, on a regardé la finale de rugby à 7. Oh, trop, trop bien! Trop, trop bien! GG, vraiment magnifique! C'était plaisant! J'ai regardé la demi-finale. C'était un peu serré au début. Et la finale, c'était serré jusqu'à la fin de la première mi-temps, là. Oh, c'était chouette. J'ai regardé un peu de cyclisme. Les pauvres, qu'est-ce que ça glissait. Mais j'ai pas tout regardé. Un peu de judo aussi, un peu de kayak, voilà. Bien joué pour eux, même si j'ai pas regardé. Ah, t'as manqué quelque chose, hein. Et ça, franchement, je sais pas si c'était rugby, mais... Ça se regarde, hein, le rugby à 7, c'est spectaculaire, hein, c'est rapide, c'est les mêmes règles qu'au rugby, mais c'est... Oh, 7 minutes, c'est pas grand-chose, hein. C'est à peine le temps d'un TikTok, ou 2, ou 4. Non, c'était vraiment bien, c'était vraiment très très bien. Bon, du coup, moi, depuis le dernier stream sur AstroTerre, c'était mardi soir, j'ai vraiment pas chômé. J'ai eu envie d'avancer sur les potions. Donc, déjà... ok. Déjà, je ne sais pas si je les avais faites. Non, je crois pas. J'ai fait les descriptions ici. Donc, par exemple, niveau 1, la préparation des potions à boire de base permet d'obtenir des préparations... Ah, il y a deux fois préparation. Aux effets... je devrais mettre des mélanges. Des mélanges aux effets basiques est très limité pour celui qui les boit. Un néophyte en potion à boire peut concocter des fioles au mélange un peu plus puissant. Les effets s'appliquent à celui qui les ingère. En devenant apprenti en potion à boire, un alchimiste peut fabriquer des mixtures assez élaborées aux effets conséquents pour le buveur. Un connaisseur en potion à boire sait sélectionner les meilleures essences pour fabriquer des élixirs aux effets puissants sur celui qui les boit.
Et enfin, devenir maître en potions à boire permet de synthétiser les meilleures essences magiques. Ainsi, les fioles contiennent les pouvoirs les plus extraordinaires pour celui qui les ingère. À chaque fois, je voulais mettre la notion d'ingestion de la potion, parce que potion à boire, c'est vraiment celui qui les boit qui récupère les effets. Donc, on est vraiment sur des effets positifs, vous allez le voir après, des effets bénéfiques pour celui qui les boit. A contrario des sorts, qui sont des sorts offensifs. Dans mon jeu, dans Astroterre, je voulais vraiment distinguer le gameplay sort et potion. Je voulais pas avoir de redondance entre les deux. Je voulais pas qu'il y ait des sorts de soins, par exemple. C'est un parti pris, hein. Mais si on veut faire du soin, faut faire des potions. Si on veut lancer des éclairs ou, je sais pas, du poison, faut faire des sorts. Pas des potions. Alors, je sais que dans Minecraft, c'est pas le cas. Dans Minecraft, on peut avoir des potions de poison, hein. Mais voilà, moi j'ai fait cette distinction pour éviter les doublons en termes de gameplay et pour vraiment que les gens aient envie de se spécialiser dans quelque chose. Ensuite on passe aux potions à lancer, c'est un peu la même chose. Un débutant dans la préparation des potions à lancer peut s'attendre à produire des fioles aux effets rudimentaires et dans un petit rayon autour de l'impact. Voilà, pour les potions à lancer, il y a une notion de zone. Les potions à lancer préparées par un néophyte produisent des résultats un peu plus puissants pour toutes les créatures ou personnes présentes dans un petit rayon d'action. En tant qu'apprenti en potions à lancer, un alchimiste peut fabriquer des fioles aux effets assez puissants qui vont s'appliquer dans la zone d'impact. Oui, il y a le bisou magique, effectivement. Les connaisseurs en potions à lancer concoctent des préparations puissantes qui peuvent affecter une aire importante. Toutes les entités dans cette zone sont affectées par les effets magiques. Et enfin, les potions lancées de maître, hein, les alchimistes qui se hissent au niveau de maître en potions à lancer maîtrisent la quintessence de leur art. Les élixirs sont parmi les plus puissants qui existent. S'appliquent. Ah, il manque un truc là. Et s'appliquent à une zone très large et persistent longtemps. Ah non. Ouais, les élixirs sont parmi les plus puissants qui existent. S'appliquent à une zone très large et persistent longtemps. Voilà. Salut Devan. Donc, voilà pour les potions. Et comme vous pouvez le voir, j'avais déjà travaillé sur le design des potions. J'avais déjà fait donc les potions, ça c'est les potions de base de Minecraft au niveau 1. Niveau 2, j'ai rajouté ce petit cordon. J'avais vu, je m'étais inspiré d'un mod, mais j'avais fait les icônes moi-même. Donc je me suis inspiré de mod, mais j'ai fait les icônes moi-même. On va continuer avec les potions à boire. On reste sur une forme arrondie. L'idée c'était d'avoir des potions arrondies pour le lancer, pour la boisson, pour à boire. Donc là on a une fiole plus allongée. Là on a une fiole plus large, et à la fin on a une fiole, vous voyez, dorée, avec une sorte de cœur un peu... Bon, voilà. Voilà, voilà. Ensuite pour les fioles à lancer, comme dans Minecraft, on a toujours l'idée que le goulot va être sur le côté. Peut-être pour, comme si on pouvait le prendre en fait par le goulot. Mais par contre on a des flacons triangulaires, triangulaires inversés, annulaires, et une forme d'enclume un peu. Ou d'étoiles. Là, en vrai, c'est plus étoiles. Et donc, je me suis dit, et j'avais déjà mis les couleurs, rouge, bleu, vert, orange et violet. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose de logique et de simple pour les potions, quelque chose qui va permettre de les reconnaître. Disons que pour les sorts, on a une icône unique pour chaque sort. Et si on voit juste une icône, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on ne peut pas forcément deviner ni son niveau, ni son contenu. Là, par exemple, bon, on peut voir que c'est un peu de la lumière, on peut voir que c'est un peu du poison, mais on ne peut pas savoir si c'est niveau 3, niveau 4 avant de regarder la description. Pour les potions, on va pouvoir, avec la forme et la couleur, savoir tout de suite, quand on aura un peu l'habitude, de quel type et de quel niveau de potion on parle. Donc, partant de ce constat, j'ai travaillé là-dessus au parc, quand j'étais en train de surveiller mon fils qui faisait de la trottinette. Je me suis fait un petit tableau comme ça. A plus, Mickaël. Bonne soirée. Donc, j'ai créé ma liste de soins qui correspondent chacune à une couleur. En rouge, c'est les sorts de soins. En rose, les sorts de régénération. Donc régénération, c'est pour gagner de la vie, mais sur la durée, pendant plusieurs tours. Alors que les sorts de soins, c'est gagner beaucoup de vie, mais en un seul tour.
sort de guérison pour enlever tout ce qui est altération d'état, par exemple poison, cécité, étourdissement, etc. La défense, c'est pour renforcer la défense. La force, c'est pour faire plus d'attaques. La rapidité, c'est pour gagner des points d'action, donc avoir plus de points d'action au prochain tour. Et la résistance, eh ben, c'est pour avoir une résistance au feu, aux dégâts magiques, au feu, au froid, à la lumière, etc. Donc, résistance magique, en fait. À partir de ces 7, ouais, c'est ça, 7 effets, j'en ai pas trouvé d'autres en termes de bonus, hein, je le rappelle, il ne peut y avoir que des potions bénéfiques. Donc, j'ai choisi une couleur pour chaque, rouge, rose, orange, vert, bleu, violet et jaune. Et j'ai choisi aussi un nom RP pour l'objet en tant que tel. Donc potion, c'est pour le soin, fiole, c'est pour la régénération, remède, c'est pour la guérison, élixir, c'est pour la défense, concoction, c'est pour la force, fortifiant, c'est pour la rapidité, et filtre, alors fortifiant pour la force, ça aurait pu être bien, mais fortifiant de force, ça faisait un peu répétition, donc je l'ai mis pour la rapidité, et le filtre, pour la résistance. Du coup, j'ai fait les traductions en anglais. Et à partir de ces informations-là, j'ai créé ici avec des petites formules, comme ça, mes différentes catégories. Quand on est niveau 1, on est sur des potions mineures. Quand on est niveau 2, sur des potions importantes. Niveau 3, majeur. Niveau 4, impressionnant. Et niveau 5, extraordinaire. C'est la même chose pour les jetables. Et donc à partir de tout ça, les effets, les noms RP et les tiers, j'ai créé en fait les ID automatiquement, les clés de traduction et les traductions en français et en anglais. Ça a été relativement simple de le faire. Alors en français, on a une petite subtilité, c'est que potion mineure, vous voyez que l'accord n'est pas fait, mais après il y avait quelques accords manuels à changer, je l'ai fait plus tard dans l'item database directement. Donc voilà, grâce à ça, j'ai fait ça avant-hier je crois, voilà, ça m'a pris un peu de temps de faire mes formules, tout ça, mais au final j'ai gagné du temps, parce que en tout et pour tout, ça fait quand même 70 potions, donc on part sur 70 potions, c'est beaucoup. Certes, ce sont toujours les mêmes, mais avec des effets de plus en plus importants qu'il faudra donc, en termes de gameplay, bien ajuster, hein, en termes de level design. Mais, c'est cool. Donc à partir de là, comme on a 70 potions, on a 70 icônes à faire. Salut Augustin. Alors, quand vous savez que j'ai passé... certains streams de presque 3 heures sur 6 icônes, vous vous rendez compte que pour faire les 70 icônes, je pouvais pas me permettre de faire une potion unique pour chaque icône. C'est pas possible. Et puis en plus, je pense pas que c'était souhaitable, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je voulais, c'est qu'on puisse immédiatement identifier avec la forme et la couleur à quel type de potion on a à faire, quel est son effet et quel est son niveau. Donc du coup, bah en fait, c'était relativement rapide. J'ai pris les formes que vous connaissez, ça par exemple c'est une potion à boire, et j'ai simplement fait ma texture de bouteille, et ensuite j'ai coloré tout le temps de la même façon les différentes couleurs. Ouais, si j'enlève le rouge, la potion est vide. Donc là on a la potion tier 5, potion tier 4, potion tier 3, potion tier 2. Et potion tier 1 dans toutes les couleurs. Oui, si j'enlève la bouteille, c'est moins cool. Esprite en termes d'arc, c'est stylé. Yes. Alors, j'aurais peut-être plus Augustin, mais au final, ça m'aurait demandé plus de travail. Parce qu'en fait, les potions, certes, vont avoir un effet hein, qu'il faudra coder. Parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas dans le jeu. On peut pas vraiment les utiliser pour l'instant. Là, j'en suis à la création des objets en eux-mêmes. Pas à leur utilisation. Mais le truc, c'est que si j'avais changé la façon dont sont gérés les items, il aurait fallu que je code pour tous les items la possibilité ou non de changer la couleur.
Franchement, j'y aurais pas gagné tant que ça en termes de temps, en termes d'espace disque et tout. Donc non, je fais ça. En vrai, ça n'a pas été très très long puisque tu vois sur le côté j'ai des palettes. Et là, par exemple, tu vois ma palette de jaune, tu vois ma palette de violet, ma palette de orange. Là, j'ai ma palette de verte, ma palette de bleu. Donc au final, ça a été assez rapide. Pareil pour les potions donc à jeter. Là, vous avez le tir 1, tir 2. Hop, tir 3, tir 4 et tir 5. Alors pour le tir 5, j'ai pas mis la déco parce que là, en fait, j'ai mis juste cette forme là. Au pire, je pourrais rajouter la déco, mais la déco, je trouvais qu'elle elle allait pas toujours avec le jaune par exemple, ça faisait un peu bizarre. Le violet encore, ça va très bien. Le bleu aussi, le vert aussi, mais avec le orange, on voit plus trop la déco. Le rose, c'est moyen. Le rouge, ça va. Mais donc, du coup, comme avec certaines couleurs, je trouvais que la déco n'allait pas. J'ai pas mis la déco. On peut la rajouter facilement. Donc, au final, ça y est, j'ai fini. J'ai créé les 70 icônes hier. Donc, en vrai, j'ai déjà bien bossé. Hein. Je vous les montre. Hop, elles sont là. Donc, on va avoir les drinkable potion. Donc elles sont là. Bon, voilà, là elles sont pas en très bonne qualité, mais elles sont là. Et les 35 aussi splash potion, elles sont là. Voilà. Donc maintenant, j'avais fait aussi déjà avec mes copier-coller de ça, j'avais déjà fait dans l'item database. Hop. J'avais. Alors oui, du coup ça je vais pouvoir le supprimer, mais il va falloir que je le fasse sans casser le jeu. Voilà, elles sont là, regardez, les 70 potions. Mais ce qui a été relativement rapide, ce fut d'utiliser le fichier que je vous ai montré avant où j'avais tout fait avec des formules pour pouvoir fabriquer rapidement les ID et les clés de traduction. Ça a été assez rapide au final. Ce qui a été moins, enfin ça n'a pas été très long, c'est les descriptions. Et au niveau des descriptions, j'ai fait quelque chose de redondant pour tous les thèmes. Donc j'ai fait une aide générique pour tout ce qui concerne le soin, la régénération, la guérison, la défense, la force, la rapidité et la résistance magique. Parce que je trouvais que c'était important qu'il y ait toujours la même description pour savoir à quoi servent les potions. Voilà. C'est du RP, un peu moins RP que d'habitude là, c'est un peu plus fonctionnel comme aide. Et j'ai mis la même chose à chaque fois. Donc ça n'a pas été très long. Donc voilà. Est-ce que je l'ai exporté? Je ne suis pas sûr. On va l'exporter, cette nouvelle database. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, parce que vraiment on a vraiment bien avancé, c'est juste là, il faut que je mette les trois potions qu'on va utiliser à chaque fois. Et bon, donc j'en ai pas pour longtemps. Et on aura fini notre arbre de talent potion. Sachant que pour l'instant, les potions n'ont pas de rôle réel, mais ça, on fera ça plus tard. Il faudra qu'on code l'utilisation des potions, mais ça sera plus tard. On aura plein de gameplay à rajouter comme ça, grâce à cet arbre de talent qu'on a créé. Donc faisons ça. Exportons déjà la database. Et ensuite, finissons l'onglet des potions. Finissons l'onglet des potions. Alors, Astrote, c'est bon. Item database. Alors, la database qui a pris une petite. Un petit peu d'embonpoint. Puisqu'on passe de 139 kilo-octets à 186. Donc, pas mal. Donc, maintenant, dans notre petit skill. On va. Alors, je vais mettre ça là. Ce sera plus facile. Je vais faire des copier-coller, donc, hop. Armure légère, c'est fait. Armure lourde, c'est fait. Les sorts, c'est fait. Donc, les potions buvables. Donc, potions buvables, on a
Drinking Minor. Régénération mineure. Cure mineure. Ensuite, on passe aux importantes. Donc, défense importante. J'essaie de varier en fait les types que je mets. Strength. Ah, voilà. Importante. Swiftness, donc la rapidité. Importante. Ensuite, on passe au Major. Donc on passe à Résistance Major. C'est ouf. Résistance Major, c'est là. Ensuite, on revient à Healing Major. J'ai utilisé le terme de Minecraft. Healing pour le sort de soins. Cure pour le sort de guérison. Alors que dans Donjons et Dragons, Cure, c'est au niveau du... C'est au niveau du soin. Enfin bref, c'est inversé. Donc là, on est à Cure. En Impressive Defense. Strength. Et on passe à Swiftness en Extraordinary, donc qui est le dernier tiers. Resistance. Et du coup, on repasse à Healing. On va tester, voir si tout fonctionne bien. Et ensuite, on fait la même chose pour les... Si ça fonctionne. Ah, c'est pas là, c'est les potions. Voilà, regardez-moi ça. Ah bah, j'ai pas exporté les clés de traduction. Voilà, regardez-moi comme elles sont belles ces icônes. Non, trop bien. Je les avais pas vues encore en jeu. Alors du coup, bah on va exporter les clés de traduction, hein. Donc à faire. Translation. Donc c'est pareil, hein, le petit fichier de traduction, là il a fait 121 kilooctets, alors qu'avant il en faisait 97. Donc il y a eu un beau petit boulot là. Alors, on peut passer aux potions lançables. On va faire le même travail à partir de l'item database. Donc splash potion. On va pas commencer par la même, comme ça, ça va faire une petite variation. Allez, on va commencer par la défense. Défense mineure. Strength mineure. Minor. Swiftness. Ensuite, on passe à importante en résistance. Donc résistance magique. Hein. On revient en arrière à healing, les soins. Et Regeneration, la régénération. On passe à Cure en majeur. Défense en majeur. Force majeure. Un 4 force majeure. Ensuite en Impressive, on passe à la rapidité. La résistance. Et on revient à Healing en Impressive. Et on passe à Extraordinary, où on a Régénération.
la guérison et la défense. Et là, normalement, on a fini. Potion. Voilà, potion mineure de soin. Le soin permet de rétablir instantanément des points de vie d'une cible. La guérison permet de guérir du poison, de la paralysie, du silence, de la folie et de toutes sortes d'afflictions. Une cible donnée. Ouais. Élixir important de défense. Cet élixir de défense permet à la cible d'améliorer sa résistance aux attaques physiques. Concoction de force permet à celui qui la boit d'infliger davantage de dégâts physiques. Fortifiant important de rapidité. Le fortifiant de rapidité permet à la cible d'accomplir plus d'actions pendant le combat. Et là, vous voyez qu'il y a le féminin. Concoction importante. Ouais, donc ça fonctionne. Je vérifie bien, mais les clés de traduction, normalement, il n'y a pas de surprise. Et du coup, maintenant pour les potions à lancer. Élixir mineur jetable de défense. Donc là, j'ai mis jetable parce qu'en fait, a priori, la traduction officielle, c'est jetable. Là, j'ai mis potion à lancer, mais on pourrait changer par à lancer par jetable, en fait. Je sais pas, à lancer, jetable. En vrai, c'est pareil, hein. Donc c'est pas gênant, je peux même laisser comme ça, ça fait un peu de variété. Concoction mineure jetable de force. Fortifiant de rapidité permet à la cible distante d'accomplir plus d'actions pendant le combat. Ah, ça rend bien avec les couleurs. Je suis assez content de mes flacons, ils sont pas trop mal. Ouais. Trop bien. Bah, j'espère que ça vous plaît. Donc voilà. Onglet potion terminé. Je vous avais dit que ça serait plus rapide que les onglets des armures. Hein. Mais onglet potion terminé. Donc, ce soir, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce stream les items craftables, nous allons passer à l'ajout des items d'artisanat. Alors, contrairement à ce qu'on a fait pour les précédents skills, on va pas commencer... Alors, si les clés de craft, ceux-là, on pourrait les faire. Ça, franchement, ça serait rapide. Mais on va pas commencer par les descriptions RP, parce que les descriptions RP sont un peu difficiles à... Je sais pas trop comment je vais les décrire, parce que il faut encore que je définisse vraiment clairement quel type d'objet on va pouvoir mettre dedans. Donc j'ai besoin de vous, mais en vrai j'ai déjà travaillé cet après-midi et j'ai déjà pas mal de choses, donc je suis assez content de l'effort de réflexion que j'ai mené cet après-midi. Et en plus, j'ai trouvé un système pour plus tard, pour comment on va faire pour stocker, pour enregistrer. Salut Mimiche! Pour enregistrer les recettes de craft. Comment ça va, Mimiche? On t'a raté tout mon speech sur la cérémonie d'ouverture. Voilà. Et tout mon speech. Sur les potions, mais regarde, j'ai fini, toutes les potions sont faites. Regarde, je monte vite fait parce que c'est rapide. Voilà, j'ai toutes les potions. Oui, Jason, pour stocker les crafts, mais en fait, j'aurais pu hésiter avec les ressources de Godot. Mais oui, on va stocker ça en Jason. Mais c'est pas ça que je... C'est comment je vais faire pour articuler les recettes avec les objets que j'ai déjà créés. On n'avait pas fini de réagir. Oui, non, mais il n'y a aucun souci, Mimich. J'ai vu que Akalis était en React et j'ai vu que tu étais sur son stream parce que je suis passé en lurk, mais très rapidement. Parce que on a regardé avant. En fait, mon fils n'est pas couché de bonheur parce qu'on a regardé le dernier match du rugby à 7 et la remise des médailles, quand même. Remise de médaille d'or, la première des JO. Voilà, mon fils n'avait jamais vu de remise de médaille de Jeux Olympiques, donc voilà, on en a profité. Mais oui, oui, oui. Donc pour revenir sur la cérémonie, oui,
je me suis laissé happer, effectivement. C'est-à-dire qu'au début, j'étais parti pour pas forcément tout regarder, mais en fait, c'était sympa, on a passé un bon moment. Et mon fils a adoré les drapeaux, des délégations, tout ça. Il y avait plein de trucs sympas, donc voilà. T'avais prévu de regarder la demi-finale? Ou la finale? Parce que la demi-finale, c'était dans l'après-midi. La finale était excellente. Elle était très très bien, la finale. Bon, je ne doute pas que le stream d'Aka était très bien aussi, mais la finale, c'était vraiment bien. La demi, à 15h30. Ah mince. Enfin, mince. Elle était bien aussi, hein. Moi, j'ai regardé. Du coup, j'ai regardé les deux matchs de la journée, et c'était vraiment très bien. Bon, alors, du coup, pour les objets à crafter... J'ai eu des idées cet après-midi. Attention. Oui, mon fils. Bah, mon fils, en fait, finalement, il a vu toute la cérémonie. Alors, il était mort et crevé à la fin. La dernière demi-heure, c'était un zombie. Mais il a tout vu. Donc, oui, il a beaucoup aimé les minions. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Il a beaucoup aimé Arnaud, hein, de Assassin's Creed. Même s'il connaissait pas la ref. Les drapeaux. Et. Ouais. Et. Il a beaucoup aimé aussi, ouais, les minions. Moi, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. Hein. Et toi, du coup, Mimich, est-ce que c'était à la hauteur du hype que tu avais la veille? Est-ce que tu as été agréablement surpris ou au contraire déçu? Franchement, très content. Alors, Augustin, non, je suis pas d'accord avec toi. Tous les pays qui sont autorisés à participer ont le droit de défiler. Hein. Alors, la Russie n'a pas été autorisée à participer. Bon, c'est un peu hypocrite, mais dans le sens où il y a quand même un aspect politique derrière leur absence. Mais c'est surtout parce qu'ils ont été sanctionnés par le CIO pour tricherie, en fait, et dopage. Donc, quelque part, voilà. Mais sinon, à part la Russie... Tous les autres pays qui sont autorisés à concourir avec les couleurs de leur pays ont le droit de défiler, et c'est bien normal. Et même si je ne suis pas d'accord avec la politique d'Israël vis-à-vis de la bande de Gaza, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je dirais que tous les athlètes qui concourent pour Israël ne sont pas forcément eux aussi d'accord, même s'il y en a qui sont forcément d'accord avec le gouvernement, mais il y en a sûrement qui sont pas d'accord. Et puis c'était très bien qu'il y ait les Palestiniens. Et je trouve que c'est très très bien aussi cette équipe des réfugiés. Vous avez eu un grand débat chez Akaïs sur Israël. Ah bah, j'ai pas entendu ça. Moi je m'attendais à un truc nul et j'ai adoré au plus haut point, trop bien. Bah, moi je m'attendais pas à un truc nul, mais je m'attendais pas à un truc aussi bien. Je m'attendais à être déçu. Et en fait, comme dirait notre cher ami Greby, j'ai été déçu en bien. Ah non, j'ai pas vu le danseur qui s'est fait mal, mince. Après, il y a des choses qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la pluie, mais bon, voilà. J'étais bien content de ne pas être en tribune, hein, mais et dans mon salon. Voilà. Non, il y avait vraiment des trucs trop trop bien. Philippe Catherine, j'ai adoré, comme je le disais tout à l'heure. Toute la scène autour de la Révolution française avec le métal, j'ai adoré. Non, vraiment, plein de trucs bien. Et il y a plein de références que j'ai sûrement pas vues, quoi. Ah, mon fils a adoré aussi les statues du Louvre qui bougent et les tableaux, les personnages des tableaux qui sortent des tableaux. Il a beaucoup aimé ça. Mais surtout les statues qui bougent. Alors, donc au niveau de l'artisanat, on a donc 4 niveaux pour chaque type. On a le type redstone, type piège et type objet, donc les 3 lignes de mon tableau. Et du coup, j'ai cherché des objets dans Minecraft Dungeon, et aussi dans Minecraft Earth ou Minecraft Legends. Même si je trouvais beaucoup moins de choses. Et j'ai eu des idées. On va commencer par le truc que j'ai fait en premier, c'est-à-dire les objets.
Donc là, je me suis mis une petite description, faudra peaufiner un peu cette description. Mais en fait, ce que j'appelle objet, j'aurais pu mettre artefact, mais c'est pas forcément des artefacts. Mais... Différentes danses juste avant l'arrivée de Catherine. Ok. J'ai bien aimé, après, j'ai bien aimé les danses aussi, la partie un peu Eurodance. J'ai bien aimé. Donc, au niveau des objets, j'ai mis que ça devait être des consommables de combat. Et aussi des effets avec des objets avec des effets divers. Donc c'est pour ça que c'est un peu flou, quoi. Aya Nakamura, elle a géré en vrai. Tout à fait. J'aime pas ce style de musique. Mais j'ai beaucoup aimé le mélange des genres avec la garde républicaine. Lady Gaga l'a aussi assuré en français. J'ai moins aimé. J'ai moins aimé Lady Gaga, mais il y avait un décalage son-image qui m'a un peu gêné. Je trouvais qu'on n'entendait pas très bien. Donc j'ai moins aimé ça, Lady Gaga. J'ai pas... Mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc c'est pas grave. Hein. Pas compris ce qu'elle foutait là. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai été un peu surpris. Je le suis peut-être encore toujours un peu, de la quantité d'artistes ou de sportifs non français qui ont participé. Mais en vrai, au final, je me dis que c'est une bonne idée. C'est bien, parce que c'est vraiment pour montrer à quel point la France est insérée dans la culture mondiale, en fait. Et quand on y réfléchit, tous les Français connaissent Lady Gaga, tous les Français connaissent Nadal, tous les Français connaissent Céline Dion, tous les Français connaissent... je sais pas ce qu'il y a eu comme autre artiste international, mais... Donc, au final, oui, on peut le voir comme on se fait un peu mousser parce qu'on avait des grosses stars internationales qui étaient en France, mais on peut aussi se dire, c'est tout simplement, bah oui, la France, elle a sa culture, mais sa culture, elle n'est pas isolée du reste du monde, et si on a des artistes français qui plaisent au monde entier, c'est aussi parce qu'on sait être influencé nous-mêmes par le reste du monde. Et donc cet échange, voilà, exactement, c'est pas franco-français, c'est international, et donc c'est très sympa. Et je pense vraiment que les artistes qui ont accepté de participer à cette fête française et internationale l'ont fait aussi par respect pour la France, et c'est tout à leur honneur, et c'est très gentil de leur part, je trouve. Gojira, ça m'a fait plaisir. Oui, le métal en général, ça a été très très cool. Alors, plus j'y pense et plus je me dis, enfin, j'ai vu le même sur internet, sur Twitter, et je me dis qu'ils y ont forcément pensé quand ils ont fait le panneau, mais c'est vrai que quand tu mets côte à côte les JO de Londres, avec ce respect, cet amour de la couronne britannique symbolisé par James Bond et l'arrivée de la reine en parachute, qui était quand même une excellente idée de Londres, et la tête tranchée de Marie-Antoinette. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Alors je connais pas du tout les drag queens françaises, j'ai pas du tout regardé Drag Race là, donc je ne sais absolument pas qui c'est, mais j'ai trouvé que c'était bien, une ode à la diversité. En plus, j'ai pas, enfin, à chaque fois que je vois ça, même quand on a vu Philippe Catherine à moitié à poil, ou quand on a vu le trouple ou des garçons s'embrasser, je peux pas m'empêcher de me dire que soit ces scènes vont être censurées dans les pays qui ne tolèrent pas ce genre de démonstration, soit c'est une petite fenêtre de liberté pour les gens qui pourront les voir malgré la censure habituelle dont ils sont victimes. Après, faut pas se leurrer, dans des pays très conservateurs, ça sera vu comme, et même des pays pas conservateurs, mais où une partie de la population l'est, hein, comme les États-Unis, ça sera vu comme la décadence, comme le wokisme, comme voilà. Oui, je sais que le troupe c'était un hommage à Julie Jim, mais je connais pas Julie Jim, donc j'ai pas la ref. J'ai vu, enfin, je sais que c'était une ref, mais j'ai pas la ref. C'est pour ça que je disais aussi
tout à l'heure que malheureusement je n'avais pas tous les codes et je n'ai pas toutes les références culturelles qui étaient très 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 nombreuses et très poussées, d'où la qualité du spectacle, mais qui permettaient aussi à beaucoup de personnes de trouver des références culturelles propres à leur bagage culturel personnel. Là, entre les Mignons et Truffaut, voilà, il y a quand même un grand écart. Histoire classique de Triangle Amoureux, oui, bah, c'est la base d'énormément de pièces de pièces de théâtre de vaudeville, etc., hein, qui font partie de la culture française, bien sûr. Mais je connais pas. Donc au niveau des objets de Minecraft, j'ai voulu commencer par des objets de Minecraft, donc j'ai mis, on pourrait utiliser la laisse, l'objet laisse de Minecraft, en faire un outil de paralysie. Donc genre, on lance la laisse comme un lasso, un peu. Et hop, le personnage est paralysé. On pourrait crafter des flèches, normal, des carreaux, normaux, et aussi une canne à pêche. Et la canne à pêche, on la garderait et ça servirait à attirer un adversaire. Donc par exemple, il y a un zombie qui est un peu loin, on lance la canne à pêche et hop, il vient à côté de nous. Donc je trouvais que l'idée était sympa. Et en fait, après avoir eu cette idée, je me suis rendu compte que c'était dans Minecraft Dungeon. Enfin, c'est dans Minecraft Vanilla aussi, hein, on est d'accord, avec Minecraft Vanilla, on peut prendre un joueur et le tirer vers nous. Mais c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Mais appliquer un combat, c'était une idée de Minecraft Dungeon aussi. On passe au niveau 2. Donc là, on a des flèches en acier, plus 1. Des flèches, des carreaux en acier, plus 1. Des trousses de soins légers. Donc là, il y a une petite redondance avec les potions. Mais je me suis dit que c'était pas mal. Je sais pas. C'est une petite redondance. À voir. À voir si on le fait vraiment ou pas. Je vais mettre un point d'interrogation. Double source de healing. Ouais. En fait, théoriquement, dans le jeu, il y en a déjà deux, mais différentes. On avait dit qu'il y avait la nourriture, qui était une source de healing hors combat, et les potions, qui étaient une source de healing en combat. Ça ferait 3 avec les trousses de soins. Mais en fait, les trousses de soins, je me disais que ça permettait à des gens qui veulent investir dans les arbres de talent d'artisanat de ne pas avoir besoin d'investir dans les potions pour avoir quand même du soin. Tout en sachant quand même que c'est limité. C'est-à-dire que là, j'ai mis trousses de soins légers et trousses de soins importants. Mais ça veut dire que là, j'ai mis que 2 niveaux. Alors que les potions, il y a 5 niveaux de soins. Donc forcément, les potions seront beaucoup plus efficaces, sachant en plus qu'il y a des potions à distance, à lancer, alors que là, les trousses de soins, ça serait vraiment que pour la personne qui a la trousse de soins sur elle. Ouais. Après, il y a un truc où il faut vraiment que je sois clair. Mais pour moi, ouais, ça, je suis pas très très clair encore là-dessus sur la notion de fabrication et la notion d'utilisation. Je m'explique. Pour les sorts, par exemple, il n'y a pas de notion de fabrication. Donc, quand on débloque dans l'arbre de talent le skill associé au sort niveau 3, par exemple, il n'y a que celui qui débloque ce skill niveau 3 qui peut utiliser le sort en question. Les autres personnages ne peuvent pas. Pour les sorts de potions et les sorts d'artisanat, est-ce que en débloquant le skill, par exemple niveau 2 d'objet, on peut fabriquer les objets, mais n'importe qui peut s'en servir? Ou est-ce qu'on peut les fabriquer et s'en servir? Si on n'a pas le skill, on peut pas s'en servir. Là, j'avoue que je suis un peu en kikiné. J'hésite. Quelle serait la différence entre les niveaux de la trousse? Bah, le même niveau que... Enfin, la même différence que pour les sorts de soins, de potions. C'est-à-dire mineur et puis important. Mais après, j'ai pas en termes de PV, j'ai pas encore équilibré. Donc, je peux pas te répondre avec une valeur chiffrée. Non, pas de mode multijoueur. On contrôlera plusieurs personnages, mais pas de mode multijoueur.
Salut Mister Chinook. Pour moi, les objets, tu pourrais aussi les looter dans des coffres. Oui. Oui, tu pourrais. Donc du coup, mais en disant ça, Mimi, du coup, tu serais plutôt partant pour dire on peut les looter, mais on peut pas les utiliser si on n'a pas débloqué l'arbre de talent. Ou est-ce que tu serais plutôt dans le genre non, on peut les fabriquer, mais n'importe qui peut les utiliser. Non, pas de mode multi sur la même machine, Augustin, le jeu est pas conçu pour ça. Du coup, salut Mister Chilou, je ne sais même plus si si j'ai lu ton message à voix haute ou si je l'ai lu dans ma tête. Je l'ai lu, mais je savais plus comment. Le jeu supporte une manette et Godot peut faire ça. Alors, Godot peut faire tout ce que tu veux. N'importe qui peut les crafter, mais il faut certains skills pour les utiliser. Ah non. Non, non, pour le craft, pour moi, il faut... Non. Là, je suis... Non. Pour moi, là, vraiment, le... J'ai dit juste... Salut, c'est... Ok, Mister Chic. Non, Mimi, là, pour moi, vraiment, le craft, c'est la partie... tu vois, même en termes de RP. Le craft, c'est la partie technique. Le craft, en RP, c'est ce qui va définir le talent d'un personnage. Donc, je sais pas, moi, par exemple, fabriquer des flèches en diamant plus 3 va nécessiter... plus de talent, plus d'expérience que fabriquer des flèches de base. Donc pour moi, la capacité de fabriquer des objets, elle doit être liée à un apprentissage. Donc forcément, le minimum, le package minimum, c'est t'apprends les skills pour fabriquer des objets. Tu peux les trouver dans des coffres, effectivement. On pourrait les trouver dans des coffres. Mais ça n'empêche que si on veut les fabriquer avec les autres matériaux qu'on loot, il faut absolument avoir le talent. La question c'est, est-ce qu'en plus, même les objets qu'on fabrique, on peut pas les utiliser si on n'a pas le talent? Mais je pense pas. Je pense que les flèches en diamant, tu peux avoir dans ton équipe un mec qui est fort pour les fabriquer et un autre qui va être fort, qui va avoir débloqué les talents d'archer pour utiliser les armes à distance. C'est pas forcément la même personne. Donc pour moi, en fait, on pourrait... N'importe qui pourrait utiliser les objets, mais par contre, les fabriquer, ça nécessitera de dépenser les points de skill. Et ces objets, il faut pas se leurrer, ils seront très très rares. Alors les objets de base, non. Mais les objets niveau 4, on les trouvera pas dans les loots. Hein, ou très rarement. Le mieux, ce sera de les crafter. En disant que dans les loots, on trouvera les objets qui permettent de les crafter. Mais on ne les trouvera pas déjà craftés, en fait. 5 semaines pour farmer ce beacon, je suis délivré. Nice. Donc, pour te répondre, Augustin, Godot, il peut tout faire. Donc, tu peux faire un jeu pour Linux, pour Mac, pour PC, pour Android. Donc, tu imagines bien qu'en termes d'interface, tu peux tout gérer. Clavier, souris, tactile... et manette. Après, c'est à toi de bien penser ton jeu pour le faire. Au tout début, quand j'ai commencé à développer AstroTerre, je voulais qu'on puisse y jouer et au clavier souris et à la manette. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Je n'ai pas le talent pour faire ça, dans le sens où déjà j'ai du mal à réfléchir à une interface clavier souris qui soit à peu près ergonomique, facile à utiliser. C'est compliqué. En fait, c'est tout un art. De faire ça, et c'est pour ça qu'il y a des game développeurs qui sont vraiment spécialisés dans les interfaces, et moi c'est pas mon cas. Et alors en plus, faire une interface qui soit adaptable à la manette, en plus de clavier souris, c'est compliqué. Le plus simple c'est de choisir soit l'un soit l'autre, soit tu fais clavier souris, soit tu fais manette. Mais faire les deux, faire une interface qui peut se modifier pour gérer l'un et l'autre, c'est compliqué. Et donc, du coup, clairement, j'abandonne pour la manette. Pour l'instant, ce sera que clavier-souris. Alors, je commençais un message dans ton sens si tu tiens absolument le système de skill pour crafter. Oui, bah ouais.
Oui, le skill, c'est pour crafter. Pour moi, c'est ça. C'est pareil pour l'alchimie, en fait, pour les potions. Pour les potions, on est vraiment dans le craft, dans l'alchimie, donc dans la fabrication des potions. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi tout à fait permettre à tous les joueurs d'utiliser les potions, mais il n'y a qu'un joueur qui a dépensé des talents, des points de compétence dans les talents d'alchimie, qui peut gérer les potions, quoi, qui peut les fabriquer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc du coup, je continue mon petit répertoire d'objets parce que je trouve que c'est sympa là, ce que j'ai trouvé cet après-midi. Donc, perle de l'End, ça peut téléporter le lanceur à une case donnée. Donc, genre, on lance la l'Ender Pearl et hop, on se téléporte. Ensuite, j'ai pris ça dans Minecraft Dungeon. La poudre de choc, c'est une poudre qui étourdit la cible. Donc voilà. Ensuite, dans ce cas, faut pas pouvoir looter des objets craftables en dehors d'ingrédients de base. Ouais, je pense que t'as raison. En tout cas, pas pour les meilleurs. Tu vois, en fait, plus on est dans des objets type 3 et 4, moins on a de chances de looter les objets directement faits. Par contre, niveau 1, si. Niveau 1, on en lootera. Parce que niveau 1, il y a des objets indispensables comme les flèches, les carreaux, les outils de désamorçage et de crochetage. Donc ça, il en faudra forcément. Donc on pourra en looter. Mais on pourra les fabriquer que si on a développé le truc. Je pense que c'est mieux comme ça en fait. Niveau 3, on passe à des flèches en or plus 2. Ouais, tout à fait, Mimich. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut. Carreau en or plus 2, trousse de soins importante pour l'interrogation. Fusée, donc pour infliger des dégâts à distance. Et boule de feu pour infliger des dégâts de zone à distance. Et ensuite, niveau 4, le dernier niveau. Flèche en diamant, carreau en diamant. Boule de feu du dragon. Alors ça, c'est Minecraft Dungeon. Je l'ai pas remis, mais je vais le mettre. Et donc on peut imaginer une boule de feu plus puissante en fait. Et c'est violet en fait, les boules de feu du dragon dans Minecraft Dungeon. Et le totem d'immortalité. Alors ça, je trouvais ça cool. Totem d'immortalité, donc par exemple, ça peut raise une cible. Donc ça, je trouve ça cool. C'est un peu les parchemins de résurrection de Minecraft Dungeon. Sauf que c'est des totems d'immortalité. Alors ça fonctionne pas tout à fait exactement pareil que les totems de Minecraft, parce que dans Minecraft, il faut être équipé de l'objet. On ne pourra pas s'équiper du totem d'immortalité, mais par contre, on l'utilisera vraiment comme un parchemin de résurrection. Voilà, je déforme un peu l'utilisation des objets. Donc, je me suis arrêté là, mais peut-être que vous avez d'autres idées d'objets. En tout cas, je me suis arrêté là pour les objets diverses, parce que j'en ai déjà 4, au moins 4, dans chaque catégorie, sachant qu'il m'en faut que 3 pour faire les arbres de talent. Et je vous rappelle, hein, l'objectif là ce soir et dans les jours qui viennent, c'est pas de faire tous les objets que je pourrais avoir l'idée de créer dans le jeu, mais c'est d'en faire au minimum 3 par niveau pour compléter l'arbre de talent et avoir une base sur laquelle ensuite développer le système de craft dans les semaines qui viennent. Alors ensuite, on passe au niveau des pièges. Alors ça, je pensais que ça allait être une catégorie compliquée à faire. Et au final, en regardant dans Minecraft Dungeon, j'ai trouvé plein d'idées. Donc, pour le totem en soi, si quelqu'un qui ne fonctionne que s'il est en barre rapide. Ouais, mais c'est. En fait, c'est compliqué parce qu'en barre rapide, t'as que 3 slots. Ou 5 ou 4, je sais plus, pour les objets. C'est peut-être 4. Et t'en as qu'un qui est activé à la fois. A voir, ce sera de toute façon. Là, clairement, on va pas faire la mécanique précise ce soir. Hein. Donc ça peut être effectivement des ajustements. Salut, cher Mary. Oui, dans Minecraft, faut main gauche ou main droite, tout à fait. Faut être qu'il soit équipé, en fait. Au niveau des pièges. Donc les pièges, moi, ce que j'entends par les pièges, ce sont des artefacts à placer en combat pour faire des dégâts ou des effets négatifs sur les cibles ou les zones. J'ai fait cette distinction entre négatif comme j'ai fait pour les sorts et les potions, où ces sorts, c'est les effets négatifs et les dégâts, et les potions, c'est les effets positifs et les soins. Piège à loup. Bon, pas un piège à loup. Donc c'est juste une mâchoire qui va bloquer, qui va faire des dégâts sur une cible. Un filet pour bloquer une petite zone. Donc c'est là où on retrouve quand même des pièges qui vont être un peu redondant avec certains sorts, avec certaines potions. Mais c'est pas mal parce que ça peut être complémentaire en fait. Et ça peut permettre à des gens qui n'ont pas envie de jouer magie,
bah, de jouer des pièges. Voilà. Et l'avantage de ces pièges, c'est que si tout le monde peut les utiliser... Ça peut permettre à des... Voilà, dans l'équipe, tu débloques quelqu'un, enfin, tu spécialises quelqu'un dans l'artisanat, et les autres, tu peux les concentrer sur les arbres de talent, de dégâts, ou d'armure, et utiliser quand même de temps en temps quelques pièges ou quelques objets, je sais pas. À voir. Et piège avec la dose. Alors ça, c'est Minecraft Earth. Qui a des araignées, je crois, qui envoient des petits éclats d'os. Et je me suis dit que ça pouvait être un piège avec des petites dégâts dans une petite zone. Tu envoies ton truc, puis hop, ça éclate sous forme d'os. Voilà, petit sort niveau 1. Enfin, petit objet niveau 1. Petit piège niveau 1. Ensuite, piège de feu. Un campement, en fait. Un campfire. Une ruche. Dans Minecraft Dungeon, ils appellent ça un nid d'abeilles. Ça fait des petits dégâts de zone. Et mâchoire d'évoqueur. C'est un peu l'équivalent du piège à loup, mais en plus méchant. Et ça existe vraiment, ça, les mâchoires d'évoqueur dans Minecraft. Je trouvais ça trop cool. Ensuite, pour les pièges niveau 3, j'avais envie de faire un distributeur de flèches. Donc là, ça aurait pu être dans la redstone, mais je l'ai mis là parce qu'on est sur la notion de dégâts. Donc, encore une fois, ma notion de piège, elle est liée à la notion de dégâts. Donc, distributeur de flèches. Donc, tu poses ton truc et puis pouf, 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 ça tire des flèches sur les cibles. À voir, ça fait des dégâts de zone, donc à voir combien de temps ça reste, combien il y a de flèches dedans, etc. Enfin, voilà, à voir ça. Piège explosif, voilà, comme de la TNT, tout simplement. Mine à dispersion, donc ça, c'est Minecraft Dungeon. Donc l'idée, piège explosif, ça fait des dégâts sur une cible, donc c'est pas comme de la TNT, ça fait quand même des dégâts que sur une cible. Et mine à dispersion, et bah, ça fait des dégâts de zone. Gong d'affaiblissement, ça aussi c'est Minecraft Dungeon, donc c'est un gong, et là on peut imaginer que ça fasse de la musique, et donc je me suis dit, bah ça pourrait étourdir les ennemis dans une zone donnée. Donc tu places ton gong, et tous les ennemis dans la zone sont étourdis. Niveau 3, pardon. Les mâchoires d'évoqueur pourraient être niveau 2, car elles piquent dur en vanilla. Ouais, mais là ça pique encore plus dur en fait. Donc nous on va les nerf pour que ce soit niveau 2. Tu vois, pour que ce soit l'évolution du piège à loup en fait. Voilà, on va nerf, parce que j'avais besoin aussi de remplir, hein, tout simplement, les cases, donc voilà. Je me suis dit que les pièges explosifs, tu vois, ou les distributeurs de flèches, ça pouvait être plus puissant que les mâchoires d'évoqueurs. Après, ça c'est de l'équilibrage, on verra plus tard de toute façon. Si un jour il faut changer le niveau de l'objet, on le change, hein, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est l'idée qui est derrière, et ce qui sera compliqué à faire plus tard, pas maintenant, mais plus tard, c'est la mécanique, le gameplay qui est derrière. Mais après, savoir si niveau 2, niveau 3, ajuster les dégâts, on pourra le faire. Ça fera partie des choses, je pense, qu'on testera lors des séances d'alpha test, etc., pour les équilibrages. Et ensuite, on passe au piège de niveau 4, donc le niveau le plus élevé. Cristal de l'End. Alors, j'imagine une explosion. Je sais pas, mais en tout cas, le cristal de l'End, voilà... C'est un objet de Minecraft iconique, et je trouvais qu'il ressemblait vaguement à un piège, et donc pour moi ça fait des dégâts, donc je l'ai mis dans la catégorie piège. Ensuite, j'ai mis balise corrompue. Alors ça existe, donc là je repense à Mr. Chilu qui nous disait qu'il avait terminé son beacon en netherite là. Bah là, on a la balise, donc le beacon, hein, corrompu, et ça j'imagine que ça pourrait maudire une zone et faire des dégâts sur zone en permanence. Et aussi, on a l'œil du dragon. De l'œil du gardien, pardon. Donc ça, c'est Minecraft Dungeon. L'œil du gardien, c'est en gros, c'est le conduit. Hein. Ah non, c'est pas le conduit. C'est autre chose encore. Non, c'est autre chose. Et ça pourrait... Ah oui, l'œil du gardien, c'est en lien avec le guardian qui est dans les temples de la mer. Donc je me suis dit, dans les temples de la mer, dans Minecraft, on a l'effet d'affaiblissement, là, où on peut plus utiliser notre pioche, là, où ça, on peut plus miner, quoi. Donc je me suis dit que ça pourrait avoir un effet de diminuer les points d'action dans une zone. Donc tu balances ça, et dans toute la zone, s'il y a des créatures qui sont dedans, elles perdent des points d'action. Ah, la balise corrompue, une zone corrompue qui s'étend. Ouais, à voir. Tout ça sera question d'équilibrage, hein, parce qu'on est au niveau 4, donc quand même, faudra avoir dépensé pas mal de points de compétences pour atteindre ce niveau 4.
Voilà. Et puis il faudra aussi avoir les objets pour le crafter. Oui, j'y ai pensé après à tout ce qui est autour de la mécanique du warden, du warden, mais je ne l'ai pas intégré. Donc Sonic Boom, je le mets là dans les idées. Je le rajoute niveau 4, hein, je pense. Sonic Boom, du warden, je le mets comme ça. Hein. Et donc là, ouais, affecte une ligne ou une colonne, c'est une bonne idée. Affecte une ligne ou une colonne. Alors en dégâts ou ouais en dégâts ouais c'est vrai en plus c'est intéressant comme idée parce que je crois que pour l'instant j'ai aucun sort ou aucune potion qui fait des dégâts alignés en fait. J'ai des dégâts de zone mais à chaque fois mes zones c'est des zones circulaires, j'ai pas de dégâts directionnels. Dégâts directionnels, c'est une très bonne idée. Donc cette idée là elle sera aussi à développer peut-être dans d'autres aspects. Mais je le note là. On va pas le faire tout de suite, mais je le note là. C'est très très bien. Merci beaucoup, Mister Chic. Et ensuite, on passe à la redstone. Alors clairement, la redstone, c'est là où j'ai eu le plus de mal à trouver des idées. Donc, là, on est sur plusieurs choses. Le trap de l'évoqueur aussi. C'est les mâchoires d'évoqueur. Je crois que c'est ça, Mister Chic, dont tu parles. Là, je l'ai mis pour le coup. Pour avoir des flèches ou des carreaux avec piercing... Oui, là, j'ai fait un truc simple au niveau des objets et des consommables craftables. J'ai mis flèche de base, flèche plus 1, flèche plus 2, flèche plus 3. Mais je sais bien qu'il existe des flèches enchantées. Donc, ça sera dans la catégorie objet. À voir si on les ajoute ou pas plus tard. Mais en vrai, je n'ai pas mis toute la liste. Oui, c'est vrai que c'est petit. Je peux zoomer un peu. Je peux zoomer un peu. Regarde, voilà, tu vas mieux voir. C'est vrai, j'aurais dû le faire. Pardon. Dans l'idée d'item pour faire des dégâts en ligne en colonne. Ah, tu veux dire les flèches? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, j'avais pas pensé. Des flèches perforantes qui peuvent empaler plusieurs créatures alignées. On met ça où? D'accord, ok, pardon. Je pensais plus juste des flèches plus efficaces, en fait. On met ça à niveau 2. Ou niveau 3, peut-être. Niveau 3, peut-être. Arbalète multishot. Ah ouais. Truc du style. Voilà, après, c'est au niveau de l'arme. Niveau 3, hein. Ok. Bon, déjà, au niveau des flèches, je trouve l'idée intéressante. Je le note. Donc, flèche... carreau avec alors piercing, comment tu le traduis avec empalement, piercing avec traversement, piercing, comment tu le traduis, piercing, perçage, percement, ouais, percement avec percement, inflige des dégâts à des cibles alignées. Empalement. Empalement. Voilà, redites-moi, Mimi, si tu me redis, tu me confirmes. Mais c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Donc au niveau de la redstone. Au niveau de la redstone... Ah, c'est impaling. Ah, impalimpa. Oompa loompa. Non mais des fois on cherche, c'est pareil, hein. Moi j'ai cherché pour le sort de soin, parce que c'est healing, alors que dans ce que je disais tout à l'heure, dans Donjons et Dragons, dans Baldur's Gate par exemple, c'est cure wounds, de guérison des blessures, pour le soin. Du coup, je remets percement alors.
Donc au niveau de la Redstone, on est sur deux principes de gameplay. On est soit sur des artefacts qui sont à placer en combat pour des effets de zone bénéfiques ou des invocations. Et on est aussi sur des pièges, tout ce qui est lié aux serrures ou aux mécanismes, pour le mode exploration. Donc là, la Redstone, c'est un des seuls skills pour l'instant qui est lié à l'exploration. Tous les autres skills, armes, armures, sorts, potions, pièges et objets consommables, là, mis à part les soins qu'on peut aussi utiliser hors combat, mais sinon tous les autres, c'est que du combat. Alors que la Redstone, il y a des impacts pour le mode d'exploration. Donc par exemple, là, il y a le premier objet, c'est le briquet. Et je me suis dit que pour le briquet, ça pourrait être utile pour brûler des obstacles. Par exemple, imaginons on se balade dans la forêt et il y a un tronc d'arbre sur le sol qui nous bloque l'accès à un raccourci, à un passage secret, je ne sais pas, un loot caché. Et bah, on a un briquet, chup, on brûle l'arbre comme dans Minecraft et on peut passer. Si on n'a pas le briquet, on peut pas brûler, alors après, ou est-ce qu'on utilise un sort de feu, quoi, j'en sais rien, faut voir après ce qu'on fait, quelle liberté on tolère, mais disons que le briquet pourrait être utilisé, c'est mon idée. De la même façon, un levier, pour débloquer certains circuits en mode exploration. J'imagine très bien, par exemple, des portes où le levier est cassé, et il faut avoir un levier sur soi pour remplacer le levier qui est cassé. Voilà, levier de Minecraft classique. On aurait aussi des outils de désamorçage simples pour désamorcer des pièges. Par exemple, on n'est pas en mode combat, mais on se balade, on voit un piège à loup sur le sol. C'est pas nous qui l'avons posé, mais il vaut mieux le débloquer pour le désamorcer pour pouvoir passer. Pareil, outils de crochetage simples. Bon, là, je vous fais pas un dessin. Porte verrouillée, voilà. Du coup, ensuite, au niveau 2, on passerait à des outils de désamorçage complexes, et pareil pour le crochetage, ce qui permettrait donc de désamorcer des pièges plus compliqués ou d'ouvrir des serrures plus complexes. Donc là, encore une fois, c'est une question d'équilibrage. Tout ce que je sais, c'est que je veux différents niveaux d'outils de désamorçage et de crochetage. Est-ce que je veux seulement 2 niveaux? Est-ce que je veux 3 ou 4 niveaux? Je ne sais pas. À voir, ça c'est un équilibrage, mais bon. Piercing, perforation. Ok, perforation. Merci beaucoup. On va garder le terme de la traduction officielle, perforation. En québécois ou en français, Mimi? C'est là où ça devient intéressant. Même si c'est pas directement de la redstone, j'ai mis invocation. Bonhomme de neige. Parce qu'en fait, dans Minecraft, quand on veut invoquer un bonhomme de neige, finalement, c'est un craft, entre guillemets, dans le jeu. C'est-à-dire qu'on met deux blocs de neige et une citrouille par-dessus. Et donc, je me suis dit qu'en fait, moi, dans AstroTerre, ça pourrait être une sorte de craft... FRFR, ok. Et merci, Mimich. Une sorte de craft qu'on prépare, en fait. On prépare un mini bonhomme de neige comme on préparerait une petite poupée, un petit automate, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis lié à la redstone. Je voudrais un bonhomme de neige, je connais pas la chanson. C'est la même en fait. Oh, merci d'avoir testé, Mimich. Et donc, le bonhomme de neige, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on le pop quelque part et il lance des boules de neige qui font quelques petits dégâts. J'ai pensé à deux mécaniques. Soit le bonhomme de neige est posé et il lance des boules de neige sur les ennemis, il l'aide au combat. Soit il est posé, il se déplace comme dans Minecraft et du coup, il crée des sols glissants qui peuvent infliger des dégâts de froid, par exemple. Ou des dégâts de froid. La reine des neiges, d'accord, je connais pas la reine des neiges, j'ai jamais vu. Je voulais aussi qu'on puisse éventuellement fabriquer un bloc en lien avec la redstone, donc j'ai mis bloc de redstone, et je me dis que dans AstroTerre, je pourrais faire une petite distinction par rapport à la redstone vanilla. En redstone vanilla, un circuit peut être alimenté par un levier. T'actives ton levier, et le levier produit l'énergie qui va dans le circuit électrique, enfin dans le circuit de redstone. Dans AstroTerre, on pourrait faire un truc un peu différent, pour varier un peu les gameplays, et faire en sorte que un bloc de redstone soit nécessaire pour qu'il y ait de l'énergie dans le circuit. Et donc le levier permettrait d'activer ou de désactiver comme un interrupteur un circuit, mais pas de l'alimenter. Donc le bloc de redstone apporterait cette énergie, donc ce serait niveau 2. Voilà l'idée.
Ensuite, niveau 3, là on arrive sur des trucs vraiment sympas. Je me suis inspiré de Minecraft Dungeon. Il y a le... Bravo Mimiche. La Reine des Neiges. Donc, je me suis inspiré de Minecraft Dungeon, où on peut faire apparaître des golems de fer. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée des invocations. Donc, j'ai mis le golem de fer ici. Donc là, clairement, on serait sur l'invocation d'un golem qui nous aide. Hein. Voilà. J'ai marqué aussi, donc là on est dans le craft d'objets un peu techniques qui nous donnent des avantages sur le terrain. Donc pas des sorts de... pas des pièges, pas des dégâts ou des choses négatives comme les pièges, mais vraiment des choses positives. Donc on aurait le conduit qui augmente par exemple les points d'action, le totem de protection des âmes par exemple qui existe dans Minecraft Dungeon et qui serait donc une façon de se protéger des sorts d'altération de psychisme, tout ce qui est étourdissement, tout ce qui est terreur qui nous force à fuir et tout ce qui est aussi contrôle. Et puis chercher aussi un mécanisme Redstone qu'on pourrait implanter dans le jeu, et j'ai pensé à Zelda, et dans Zelda il y a beaucoup de moments où on est obligé de pousser des blocs pour se débloquer un passage, pour résoudre des petits puzzle games en fait. Et bah peut-être que je pourrais implanter ça sous forme de piston. Le seul moyen... Non, Mr. Shilk. Non, parce qu'on peut pas mourir dans le jeu. Alors, je m'explique. Si ton personnage principal meurt, il y a game over. Si c'est un allié qui meurt, bah il meurt, tu continues le jeu, si t'es pas content tu recharges ta sauvegarde, et sinon tu le raises avec un totem d'immortalité. Mais si ton personnage à toi meurt, c'est game over, il n'y a pas de respawn. Là on est plus sur une mécanique comme Baldur's Gate 3, typiquement c'est ou XCOM. C'est la même chose. À différence près que dans XCOM, t'as pas de personnage principal, donc en fait, tant qu'il y a une personne dans l'équipe qui reste vivante, tu peux réussir la mission. Mais il n'y a pas de respawn. Et coucou Emrinves. Tiens, j'ai pensé à toi Emrinves. Je te le dis ça après, je finis ça. Donc le piston, je trouve que c'est une mécanique cool, parce que ça pourrait nous permettre dans un avenir lointain... Hein. Lointain, de réfléchir à des petits puzzle games comme un Zelda, vous savez, où il faut pousser les blocs, etc. C'est sympa. En bien, j'espère. Oui, enfin, c'est pas à toi directement, c'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu les courses cyclistes féminines. J'ai pas pu regarder plus, j'ai pas regardé très longtemps, mais vu que ça glissait et tout, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, oulala, quand ça glisse, c'est vraiment pas cool. Vers la droite ? Vers la gauche, non? Et la droite, on voyait tout. Comme ça? Ça te va comme ça? Ouais, parfait, merci. Moi, j'ai regardé la fin des courses masculines après mon entraînement. Ah, j'ai pas du tout regardé du coup les masculins. Donc, pour finir avec la redstone, si tu fais un endroit où c'est dans une zone avec très peu de vision, un skulk sensor calibré pour détecter les monstres alentour. Ouais, je ne sais pas. J'y ai pensé aussi à l'éclairage. Parce que, par exemple, il pourrait y avoir les torches, simplement. Je ne sais pas si ça pourrait être une mécanique facile à implanter et intéressante de gérer la lumière, en fait. Pareil, pour les désamorçages, je me disais que ça pouvait être utile pour les spawners. Par exemple, s'il y a des vrais spawners dans les donjons, enfin je veux dire, quand je dis des vrais spawners, c'est-à-dire que pas des spawners invisibles, des spawners accessibles, ça pourrait être intéressant qu'il faille la compétence pour, enfin qu'il faille des outils de désamorçage pour les désamorcer. Et que sinon, on est condamné à avoir des mobs qui spawnent, je sais pas, avec un temps régulier quoi. Les skulls pour détecter les monstres alentours. Ouais, ça pourrait être du niveau 3 peut-être. Je vais le mettre quand même. Mais skulk sensor. Mais détecter les monstres, à quoi ça sert en vrai?
je sais pas, détecter les monstres alentour. Non, point d'interrogation, je sais pas trop. Ok, on était au café, on a pu être témoin de la victoire de Remco Evenepoel et la troisième place de Wout Van Aert. Ok, bah GG, Marine West. Moi, j'avoue que je connais pas ces noms parce que je suis pas assez le vélo. Mais c'est cool. Si tu les vois pas, ça les met en surveillance. Ouais, peut-être, ouais. Les mettre en surveillance. Ouais. Les mettre en surveillance dans les zones non éclairées. Voilà, à voir. À voir, mais c'est une bonne idée. Merci pour l'idée. Et donc, au niveau 4, on aurait des Wither Kits. Alors, j'étais un peu embêté parce que un bonhomme de neige dans Minecraft, c'est un monstre neutre. Enfin, c'est une créature neutre. Elle, en vrai, elle envoie pas des boules de neige. Donc, moi, je peux décider qu'elle envoie des boules de neige. Le golem de fer, certes, si tu le tapes, il devient ton ennemi. Mais en vérité, normalement, il est plutôt ton allié, le golem de fer. Ou du moins l'allié des villageois. Donc le Wither, c'est plutôt un ennemi. Mais j'ai pas trouvé d'autres invocations qui existent dans Minecraft. Enfin, je trouvais que c'est sympa parce que un Wither, on peut vraiment en invoquer un dans Minecraft. Et le Wither, bon, il est puissant. Donc c'est pour ça que j'ai mis au niveau 4. Mais là, on pourrait dire que ça fait apparaître un Wither qu'on contrôle. Et qui attaque que nos ennemis. La balise, donc là le beacon, qui ferait des soins sur une zone en permanence. Donc genre pendant plusieurs tours où le beacon est posé, on pourrait imaginer que dans toute cette zone, les alliés reçoivent des points de vie. Donc ça c'est cool. Ah, un bonhomme de neige, ça attaque certaines créatures. Ça attaque quoi les bonhommes de neige? Ah oui, le breeze, ouais, mais comme j'ai pas joué en 1.21, pour l'instant j'ai pas pensé au breeze. Les squelettes... Ouais. Ah mais les squelettes, on peut pas les invoquer dans Minecraft. De base. Parce que, enfin, vous voyez l'idée, le Wither, c'est qu'on pose des blocs et puis hop, ça invoque un Wither. Le golem... Non, le golem, c'est pas pareil. Sauf dans Minecraft Dungeon. Dans Minecraft Dungeon, on peut faire apparaître un golem de fer comme ça. Ah, les golems attaquent les squelettes. D'accord, ok. Ah, je savais pas. Donc Gabriel nous dit c'est deux cyclistes belges, je suppose que tu t'en doutes vu que je les cite. Oui, Remco 3ème du dernier Tour de France. Ah bah génial, c'est cool. Ah oui, donc deux médailles pour la Belgique. Ah bah GG. Médaille d'or. Et médaille de bronze, bah génial. C'est cool ça. Ensuite, il y avait un truc dans Minecraft Dungeon qui est le métamorphoseur de l'ombre. Le Shadow Shifter, qui cache les joueurs dans une zone donnée. Donc là, l'idée, c'est peut-être de revenir cette... Ouais, ça irait bien avec la zone d'obscurité, en fait. Ça créerait une zone d'obscurité artificielle, et ça permettrait aux joueurs d'être invisibles. C'est-à-dire que les monstres ne pourraient plus les attaquer, mais seraient obligés d'aller attaquer d'autres cibles. Or et bronze, nice. Un grand spécialiste du contre-la-montre. Felipe Ganna. Ok. Donc voilà tous les objets auquel j'ai pensé ce matin et cet après-midi. Je suis assez content de tout ça. Je suis très content de vos idées aussi. Merci de m'avoir soufflé des choses. Je trouve ça relativement cohérent, même si c'est pas... Disons, pour la redstone, c'est pas que c'est fourre-tout, mais c'est quelque chose assez différent. Entre les objets qui peuvent servir en mode exploration... Et les objets de bonus pendant le combat, c'est un peu différent, mais bon, je trouve que c'est quand même bien que ce soit tout rassemblé dans un seul arbre de talent. Pareil, la dernière catégorie objet, elle est un peu large. Mais voilà. Par contre, la catégorie piège, je trouve que voilà, elle est cohérente avec cette idée des dégâts ou des effets négatifs sur cible ou de zone. Je trouve ça assez cohérent. Et en plus, j'étais très content de farfouiller dans les idées, dans les items de Minecraft Dungeon. Ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, c'est parti.
On va pouvoir créer certains de ces objets dès ce soir. Là, il est déjà presque 23h. Horrible. Horrible. J'ai fait que parler. Mais bon, on a parlé, mais on a débroussaillé le truc. On a précisé des choses et on a eu quelques idées vraiment bien. Donc, on va créer des objets. On va créer les objets. Et on va les implanter dans les arbres de talent. Le golem de neige attaque à minima squelette et zombies en vanilla. D'accord. Et il les attaque en lançant des boules de neige? Je savais même pas qu'il faisait ça, moi. Oui, d'accord. Bon, bah écoute. Pour moi, le bonhomme de neige, il faisait juste que répandre de la neige. Comme quoi, je ne connais pas bien Minecraft. Mais ça, on le sait. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je vais déplacer ce tableau. Je vais me le mettre sur le côté. On va prendre notre item database. Ah oui, si, tiens, attends, avant qu'on fasse ça, faut que je change un truc. Dans mes fichiers d'AstroTerre, attends. Alors, ça doit être dans l'inventaire. Faut que je vire deux trucs. Oui, c'est vrai, bah oui, je suis con, on s'en sert pour les frères, ma copper, les snowgolems. Bah oui, 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 bah oui, bien sûr. Alors, ça doit être dans les entities, dans les équipements. Qui a des potions? Toi, t'as pas de potions. T'as pas d'objet. Ok, bon. Alice, c'est parfait. Hop. Bob. T'as rien du tout. C'est parfait. Jack. Beau crossbow. Pas de potions, pas de piège. Parfait. Le joueur, il doit avoir des potions. Voilà. Donc c'est là où on va changer les potions. On va mettre les nouvelles potions. Donc, potion de healing, on va le mettre une drinkable mineure. Voilà. Et là, c'est une splash. Donc, on va mettre une splash. Healing mineure. Voilà. Et là, cette potion de healing, on s'en fout. On va en mettre une autre. On va mettre une drinkable. Et on va mettre une importante. J'aime bien les violettes, donc on va mettre une weakness. Voilà. Hop. C'est même un moyen de chunkloader un point 21 avec le bracelet. Ah, trop bien. Au niveau du piège, on va le garder pour l'instant, mais je serais peut-être amené à le changer ça. Ok, donc le player c'est bon. Rose. Elle a rien. Steve. Il a rien. Et Steve Junior. Il a rien. Au niveau de l'équipement, c'est bon. Du coup, au niveau de l'inventaire, ça doit être bon aussi. Hein. Player, est-ce que j'ai mis des potions? Non, j'ai pas mis de potions. Hein. Du coup, je vais relancer le jeu. Potion mineure de soin, potion mineure jetable de soin, potion fortifiant important de rapidité. Et du coup, ça marche? Ouais, le filtre il marche. Ah. Ah, par contre, je peux pas m'en rééquiper, tiens. Y a un bug. Je peux pas mettre les potions. Pourquoi? Bon. On peut pas s'équiper des potions. Par contre, les pièges, ça marche. Pour
pourquoi on peut pas s'équiper des potions? Item type potion drinking. Potion drinking, potion splash. Pourtant c'est bien du même type. Ah, équipement de slot. Ah, j'ai oublié un truc. Ok, bah on va corriger, c'est parfait. Bien fait de tester. Equipment slot, j'ai oublié de mettre que c'était dans potion. Donc on en profite, on corrige. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir s'en occuper. On va pouvoir. Voilà, et du coup, on a ça. Donc ces deux lignes-là, c'était des vieilles vieilles potions. Je peux les supprimer. Et on va réexporter l'item database. Et on va faire un test. Normalement, c'est bon. Ça devrait fonctionner. Item database, elle est là. Hop. Item database. AstroTerre. Autoload. Hop. On remplace. On relance le jeu. C'est pas ça que je voulais faire. Donc j'ai pas eu de message d'erreur. Si j'ouvre l'inventaire, on a bien. Pas de problème. Et voilà. Ça marche. Je peux m'en rééquiper. C'est parfait. Et si je passe en mode combat. Alors je voudrais que ce soit Alex qui joue vite. Voilà, c'est Alex. Hop, hop. Tour du joueur. Et donc on a bien nos potions. Ah, pourquoi? J'ai deux fois la même. Oh. Hein? Quelle est cette sorcellerie? Ah, il y a un bug. Il y a un bug avec le slot 2, tiens. Ah, le slot, il doit avoir le même numéro. Genre, si je fais ça, j'ai rien. Et si je fais ça, j'ai deux fois. Ah bah tiens. Eh, ça nous permet de corriger un petit bug. Donc je pense que j'ai un slot qui doit avoir le même numéro de codage. Ah purée, où je vais trouver ça? En tout cas, c'est bien, on a découvert un bug. Ah oui, c'est que je suis en mode combat, donc oui. Ah! Ah non, c'est bon. J'allais dire, ça marche à l'infini. Non, j'ai dépensé tous mes points d'action, donc c'est bon. Donc ça, c'est pas bugué. C'est normal de voir les raccourcis? Non. Non. C'est... Ouais, non. Mais ça, je corrigerai ça plus tard. Le mec a trouvé un bug de dupli. C'est pas vraiment un bug de dupli, ça duplique pas les items, ça les affiche en double, et c'est surtout qu'il y a un raccourci qui marche pas. Mais oui, c'est vrai que là, c'est pas normal de voir ça. T'as raison, Mr. Chic. C'est pas normal. Bon, purée. J'avais pas prévu de corriger ça. Alors, attends. Inventaire. Mais bon, normalement, c'est pas... Eh bien, ce que je pense, c'est pas trop long à corriger. Inventory UI. Non, c'est ce skill-là. Potion 2. Tel ID 2. Ah, merde. Tel ID 1. Tel ID 2. Tel ID 3. Ah, c'est pas ce que je pensais. C'est pas le bug que je pensais.
Peut-être que c'est ça, équipement to save, get equipment to save. Save equipment. On serait sur le global script, save equipment. Ou sur le drop data peut-être. Je vois pas, je vois plus à quel moment. Spend action point. Alors, est-ce que c'est là? Non, parce que c'est ce script-là. C'est ce script-là. Est-ce que c'est ça? Emit signal, équipe, select date. C'est peut-être ça. Et ce signal-là. Qui est-ce qui est connecté à ce signal? Emit signal dans inventory UI global script. Donc inventory UI signal équipe cell update. Il est où ce signal? Global script equipment update actual caractère not cell type cell ID equipment update. Donc qui est connecté à ce signal? Equipment manager. Un equipment update. Voilà.
Ah bah non. Deux, deux, trois, trois. Alors ça c'est weapon potion, ouais. Bah merde. Alors là, je suis un peu sur le cul là, je pensais que ça venait de là le problème, mais ça vient pas de là. Comment c'est possible? Donc c'était bien le slot 2 hein, qui avait un problème. Print, slot 2. Est-ce que ça marche? Que je vais le voir ce print. Donc, I, slot 2, d'ailleurs on a eu un slot 2, slot 2, et du coup si je passe en mode combat là, faudrait qu'Alex, soit, c'est Alex, ouais, c'est Alex. Ok, donc mon problème ne vient pas de la gestion de l'inventaire. Ok, donc mon problème vient du raccourci en fait. Ok, mais je pense que voilà, le problème ne vient pas de ces cases-là. Le problème vient de ça. Ok, donc on reprend depuis le début. Le problème n'est pas dans l'inventaire. Le problème est dans les raccourcis rapides. Shortcut area. Que c'est ça? Potion. Potion. Slot 1, slot 2. Slot 3. Oh merde, potion slot 3, potion slot 2, potion slot 1. C'est bien le bon truc. Alors. Slot 1, slot 2, slot 3. Ah mince! Il est où le bug? Salut Mister R1 Max. Voilà, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Je
Je pense que le problème vient bien des raccourcis. Mais là, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, elle est là. Trois. C'était 3-2. L'erreur est là. Ah, attends. Ah voilà, ouais, effectivement, faudra. Il y a un bug. Ah oui, mais c'est parce que j'ai quitté le monde. Oui, c'est parce que j'ai quitté le mode combat là. Donc j'ai fait un. Oula. Oui, j'ai créé des bugs là. Bon, c'est pas grave. Ce qui était important. J'ai créé des. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Ce qui était important. Voilà, je vais tout cracher. On recommence. Est-ce que j'ai cliqué sur les mauvaises touches? Mais ça c'est pas représentatif. Donc là c'est Bob. J'attends bien qu'il ait fini son tour. Là c'est parce que j'avais pas attendu qu'il ait bien fini son tour avant de passer mon tour. J'étais trop pressé. Donc là, on a bien toutes les potions. Si je fais ça, que je vire la potion et que je recharge, je ne l'ai plus. Et si je prends ça et que je mets elle en 2. Voilà, donc c'est bon, ça marche. C'est corrigé. Ouais, c'était un bug. Et ben voilà, on a corrigé un petit bug. Bon, du coup. C'est très bien. C'est très très bien. Repassons au cœur de ce que je voulais faire ce soir. C'est-à-dire la création des items de craft. Donc. On avait déjà des munitions. Qui étaient là. Donc ça, je vais déplacer les lignes. Pour les foutre en dessous des potions comme ça. Hop. Voilà. Donc on est sur Trap. Donc là, on est sur le skill... craft trap et niveau 1. Donc le reste c'était déjà créé. Voilà. Ensuite on avait la flèche. La flèche plus 1. Ouais. Donc craft. Là on est sur la flèche. Donc on est sur craft object niveau 1. La flèche de base. La valeur on s'en fout. Fiche, l'item action s'en fiche. La traduction flèche, flèche. Description flèche simple. Ouais. Donc flèche plus 1. Moi j'ai dit que ça serait des flèches d'acier. Donc faudra les flèches d'acier plus 1. Steel arrow. Plus 1. Donc là on est sur craft object et donc pour les flèches plus 1 on est sur du niveau 2. Hop. Voilà. Crossbow bolt on est sur craft object. Niveau 1. Voilà. Très bien.
Je suis pas sûr que j'avais fait le... Ouais, l'item I... Donc on va être sur du arrow steel. Et donc, faut que je crée cette icône. Salut Gubis Bueno, ou Gubis Bueno, je sais pas comment faut le dire, je suis désolé d'écorcher ton pseudo. Non, je ne crée pas un mode, je crée un jeu. Je crée un jeu. Alors, du coup, ici on aurait le truc le plus clair. Allez, peut-être ça. Que ce soit quand même en mode... Voilà, flèche en acier plus 1. Après, ce qu'on peut peut-être faire, c'est prendre un... Voilà, un marron un peu différent pour qu'on différencie aussi la flèche à part voilà la couleur de. Alors mon jeu, c'est un jeu. Merci Mimi d'avoir mis la commande. C'est un jeu de rôle tactique en 2D. Donc on est sur un jeu inspiré par les consoles 16 bits, avec tu vois une vue en top-down, une vue de dessus, pixel art, avec des combats au tour par tour, et puis des quêtes, un mode exploration où on va. Parler à des personnages, apprendre des choses sur l'histoire du monde, résoudre des problèmes, sauver des gens, la veuve et l'orphelin, ce genre de choses. Export. Hop. Arrow. Style. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, la laisse. On est dans objet, craft objet niveau 1. On va essayer de laisser les trucs un peu dans l'ordre. Même si ça change rien pour le jeu, mais c'est pour moi. Comment on dit laisser lead en anglais hein? Pas du tout, ça c'est le plomb. Fil. Ah bah alors pourquoi il... Une laisse. Leash. Lead. Ah ouais. Lead. Ok, c'est bizarre. Lead c'est pour les deux. Ok, merci. C'est ce que j'avais en tête, mais vous voyez, j'étais pas sûr de moi. Lead. Ça existait déjà ? Ah, l'avait déjà créé. Enfin, Mimi, je l'avais déjà créé parce que je rappelle que là, on utilise. Elle est où la laisse ? Elle est là. Mimi, je l'avais déjà créé. Mimi, c'était un visionnaire. Donc là, on est sur Object. On est sur Craft Object. Niveau 1. C'est aussi mener to lead. Bah oui, oui. Bon, item value, on s'en fiche un peu. Ah! Leash. Donc on va changer. Solide lanière pour attacher. Donc nous, on va changer la traduction pour attacher une cible.
et l'immobiliser. Voilà. On change un peu la traduction RP pour qu'elle corresponde plus. Il n'y a même pas lead quoi. Ah oui, parce que j'ai mis lanière, bye. Voilà, je change. Hop. Donc après, flèche, carreau, c'est fait. Canne à pêche. C'est rod. Est-ce que j'ai déjà fait un truc rod? Non. C'est fishing rod, hein, c'est ça en anglais. Hein. Oui, merci, Mr. Chilik. Donc, fishing rod. Donc, on est sur un objet. On met dans Craft Object, niveau 1, hop, allez la valeur on va mettre 2, mais les valeurs encore une fois ça sera de l'équilibrage, ça j'ai peu d'idées. Fishing Rod. Canne à... Alors, la canne à pêche permet de saisir une cible et de la ramener à soi. C'était quoi la traduction? J'avais une des traductions à changer au fait. Que j'avais dit, c'était dans... Merde, c'était dans... Dans les potions, dans l'interface. C'était là la préparation, préparation, oui, c'est ça. Donc pour obtenir des mélanges aux effets basiques et très limités pour celui qui les boit. C'est ça que j'avais à changer. Et salut Etasis, Etasix, bienvenue à toi. Donc Fishing Rod, il nous faut l'item. Mais ça, a priori, l'item du Fishing Rod, on va prendre le Fishing Rod de base. Donc, on devrait pouvoir le trouver ici. Fishing Rod, on est bon. Voilà, fishing rod. C'est bon. Donc c'est bon pour le niveau 1. Ensuite on passe aux flèches en acier. Niveau 1, c'est fait. Donc carreau en acier. Donc cross. Merde. Cross bow bolt. Plus 1. Ammo. On est sur du crossbow bolt. Et un crafting object. Niveau 2. Allez, ça va coûter plus cher. 3. Pour l'instant, on n'a pas encore le catalogue des actions. Ça reviendra plus tard. Donc, on est sur... on va le mettre quand même en style. Crossbow bolt. Style. Donc il va falloir qu'on fasse cette texture. Item skin, bah pour l'instant ça n'existe pas encore. Donc pour l'instant voilà. Donc carreau d'arbalète en acier plus 1. Steel. Cross bow
Bolt plus 1. Donc, carreau d'arbalète renforcé par une pointe d'acier plus 1. Bon, par une pointe d'acier renforcée. Voilà. Hop. Pointe d'acier, on va mettre plutôt spike. Hop. Donc faut qu'on crée l'icône. Crossbow, elle est là. Et donc du coup, on va récupérer comme tout à l'heure. Toutes ces petites couleurs pour la palette. On va changer ça aussi. Qu'est-ce qu'on a pris ? Celle-là. Et c'est ça que je veux. C'est ça. Là. Et je pense qu'on va mettre un petit peu de... Voilà. C'est pas mal. Export. Hop. Voilà. Alors la trousse, on va pas la faire. La trousse, on va pas la faire. Ender Pearl. Est-ce qu'on a Ender Pearl? Pearl. Non, on n'a pas l'Ender Pearl, on l'avait pas créé. Donc on va la créer. Ender Pearl. Donc là on est sur un objet de type objet. On est sur Craft Object niveau 2. On peut la stacker. Item icône bah, Ender Pearl. Perle de l'end. Ender Pearl. Pearl. Plutôt comme ça, hein. C'est comme ça que c'est écrit, hein. Au fait. Cette perle dispose de propriétés extraordinaires et permet de se déplacer instant permet au lanceur nom commun laine donc majuscule nom propre tu veux dire et permet au lanceur de se déplacer instantanément oh, il y a deux N. Non, instantanément. Instantané. Là où tombe la perle. Instantanément, ouais. Merci. Perle de l'End.
J'ai mis propriété extraordinaire, j'ai pas mis propriété magique parce qu'on est sur un objet qu'on craft, donc je l'ai pas mis du côté des sorts et des potions qui sont clairement magiques. Peut-être The Shooter, non? To Throw? Non, non, c'est bien ça. Ok. Donc là, au niveau de la texture, normalement, Ender Pearl. Voilà. On est bon. Et ensuite, nous avons la poudre de choc pour étourdir un objet. Un objet, un ennemi. Donc, choc. Powder. Object. Merci pour le follow, Todd, Ziliar ou Ziyar, et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Donc on peut les stacker. Donc. Shock. Powder. Poudre de choc. Choc powder. Ce petit sac de poudre étourdit la cible qui en est recouverte à l'impact. Le petit sac de poudre qu'on peut lancer étourdit avec un T, la cible qui en est recouverte. This small bag of powder that can be thrown stuns the target covering it. Ok. Ok, et donc maintenant il faut qu'on fasse l'icône. Donc, hop, ah bah non, je suis déjà là. Minecraft Dungeon, Shock Powder, elle est là. Donc c'est ça l'objet dans Minecraft Donjon. J'aime pas trop l'éclair, donc nous on va garder juste le petit sac, je pense. Là il y a l'icône. Et voir, ça donne quoi si on prend cette icône. File New, on se met en RGB. 240 pixels. 240 par 240, donc sprite, là c'est un peu... Ouais. Alors attends, si je prends que ça. On est sur du 120-171. Sûr que j'ai pris un pixel de trop. Donc on va prendre 170. Toujours ranger RGB. On va la réduire. Right size, on va mettre ça en 16 par 16. Et on va enlever cet éclair que j'aime pas beaucoup. Mais c'est un peu cubique comme... Bon, vous me direz, c'est Minecraft. Mais ça fait pas sac.
Bah voilà, c'est pas mal ça. Jeter un sac d'encre. Ah, très bonne idée. Je note. Très bonne idée. On mettrait ça en... Ça étourdit. Un sac d'encre, oui, c'est très très bien ça. Il se déplace de manière aléatoire. Bah là, au niveau 2, je pense. Hein. Bah, en fait, j'ai déjà une capacité d'aveuglement. Donc, c'est très bien. La cible est aveugle. Ah non, très bien. Sac d'encre, je prends. Je prends. Voilà, on est pas mal. Hein. Mon petit sac, mon petit choc powder. Quoique, est-ce que j'ai déjà en fait. Est-ce que j'ai déjà. Est-ce que j'ai l'effet aveuglé? C'est même pas sûr en vrai. Est-ce que je confonds pas avec silence? C'est possible que. C'est possible que je confonde avec silence. Mais c'est pas grave, on peut le créer. Hein. Action catalogue. Et silence, si j'ai blind death avec la cible. J'ai bien blind death. Blindness. Donc j'ai déjà créé ce truc. Après, je sais pas si j'ai des sorts qui utilisent déjà. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis. J'ai créé déjà les potions là. Mais j'ai pas fait. J'ai pas fait les actions. Ça c'est toute la partie gestion des effets réels dans le jeu, mais ça c'est en combat donc je l'ai pas fait encore. Item database, donc on aurait un ink comment on dit sac ink bag. Ou poche. Poche plutôt. Il y a sac aussi. Poche d'encre. Ink pocket. Non. Ink bag. Ouais, c'est ça. Ink sac. Poche, il me propose bag plutôt. Le bag, ça me paraît mieux. Ah, dans le jeu, ça existe. Ah oui, ink sac. Ah oui. Mmh. Mais dans le jeu, c'est... Oui, c'est des poches d'encre. Ah oui. Et direct. Ouais. Du truc de poulpe. Sauf que là, en fait, il me faudrait que ce soit. Là, ça va pas être le truc de poulpe. En plus, si je veux qu'on puisse utiliser, faut que ce soit quelque chose qui soit craftable et il n'y aura pas forcément des poulpes proches de la zone de départ. Peut-être sac d'encre, du coup. Mais... Ou comment on pourrait dire ? Bouteille d'encre. Et bah ouais. En vrai, la bouteille d'encre, c'est génial, elle existe déjà. Bah oui. Ink bottle. Bah oui, c'est encore mieux. Ouais, ouais, tout à fait. Merci, c'est encore mieux. Donc on change l'idée. C'est pas sac d'encre, c'est bouteille d'encre. C'est très bien. Donc ink
Brutal. Donc c'est un objet. Dans le slot objet, c'est le skill tree craft object, skill tree 2. J'en sais rien combien ça vaut, je mets ça au hasard. Fiole d'encre. C'est quoi le mot, c'est quoi la vraie traduction en français? Voilà, on va chercher dans le wiki. Glowing ink sac. Et donc gozo. Ok. Book and quill. Pourquoi il y a pas le ça existe la bouteille? Non. Existe pas dans le jeu la bouteille d'encre? Je confonds avec purée, je confonds pain au vanilla. Merci beaucoup Todd. Ah oui, je confonds. En fait, non, ça n'existe pas. Je confonds avec. Je confonds avec Minecraft, avec Baldur's Gate. Je confonds avec Baldur's Gate. Ok, ça n'existe pas. My bad. Donc fiole d'encre, non, bouteille, pot d'encre. Comment on traduit ça? Fiole d'encre? Ouais, c'est vrai, je pourrais prendre ça. Allez, fiole d'encre. Fiole d'encre. Ça va être flasque? Ah non, vial. Vial, ah ouais. Vial, flacon ou fiole. Vial, ok. Je ne connaissais pas. Donc on change. Ink, vial. Flacon d'encre, c'est pas mal. Même mieux que fiole encore, non? Flacon d'encre. Je préfère flacon. Parce que fiole, ça fait vraiment les potions. C'est comme ça que j'ai appelé certaines potions. Là, vous voyez, les fioles extraordinaires jetables de régénération. Donc, viande. Alors, ce flacon renferme une encre très noire capable d'obstruer la vue d'une cible. Ce falcon quand la fiole est lancée. Voilà, comme ça j'ai mis les deux termes. Merci Todd. Le MCU dans Astroterre. On a retrouvé Falcon. Indeed. This vial contains very black ink capable of a string. A target's view when thrown. Allez, je... Ouais, quand elle est lancée, wow. En français, quand elle est lancée. Allez. Alors, faut faire la texture. Donc, j'ai bien noté que on peut prendre l'ominus machin là. Après, cette texture là elle est pas extraordinaire, peut-être que j'aurais mieux fait de faire un truc comme ça.
Nice, Mr. Shake. Ah pardon, j'avais pas vu ton message, Tad. Oui, c'est un projet de fan pour les fans. C'est pas assez foncé en vrai. Ah, c'est peut-être mieux ça. En vrai, c'est mieux. Allez hop. Bon, c'est pas ça que je voulais faire au début, mais. Donc, si je prends. Comment je vais trouver ça? Omnius. Potion. Ah, mais je suis pas au bon endroit. Omnius Battle. Ouais, je voulais un truc carré. Comme dans Baldur's Gate. Donc, on va dupliquer. Hop. Non, Itazix, j'ai pas du tout les droits. Non, c'est pour ça que ce jeu est un jeu de fan et que je ne compte pas gagner d'argent avec. Parce que voilà, j'utilise des items, notamment les icônes, pour lesquels je n'ai pas les droits. Par contre, il y a énormément de choses que je crée moi-même. Donc. Mais souvent, un peu comme là, hein, vous voyez, je m'inspire, enfin en tout cas, j'utilise parfois et souvent même des items comme base en fait. Non, en vrai, c'est pas mal ça.
Eh ben, c'est pas mal ce petit flacon d'encre là. Il est bien. Ah, est-ce qu'il est trop large? Est-ce qu'on le raccourcirait pas un tout petit peu? Après, ça fait peut-être pas assez carré. Enfin, je l'entends, c'est pas assez rectangulaire plutôt. On va laisser comme ça. Comme ça, je trouve qu'on voit mieux la différence avec les potions de soins, etc. Mais pas mal, hein. Allez, où? Exporter. Et donc là, on est sur du ink viral. Voilà, à partir de là, on a fait ça. Ouais. À partir de ça, on a fait ça. Voilà. Très bien. J'ai oublié un L, ink vial. Ça, hein. C'est ça. Alors, ensuite. Ensuite, je vois qu'il est presque minuit, on va peut-être s'arrêter. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là avant d'attaquer nos items niveau 3, niveau 4. Je pourrais en faire hors caméra aussi. Enfin, arrêter de créer des objets. On va déjà mettre les objets dans le jeu. Comme ça, on va voir ce qu'on a créé. Alors, seulement 3 d'entre eux, mais... hop. Non, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Donc, retournons dans le jeu... shortcutter. En plus, on a corrigé un bug aujourd'hui, ça c'était cool. Alors, redstone, non, on est dans les objets ici. Donc, on peut mettre le wolf trap. Oh, qui est un classique, j'en ai marre de le voir. On va mettre plutôt la laisse. La fishing rod. Oh, allez, on va mettre quand même le wolf trap parce que c'est quand même un classique. Et pour niveau 2, donc on va mettre la flèche d'acier, histoire de... Non, niveau 2 j'ai dit. Et on va mettre l'Ender Pearl. Ah non, allez, on va mettre la Shock Powder, histoire d'avoir la nouvelle truc. Et Link Viral. On peut pas tout mettre, hein. On peut mettre que 3 exemples, mais on a créé plus d'objets que nécessaire, ça c'est cool. Après, c'est pas grave du tout si on a créé plein d'objets, au contraire c'est même bien, parce que quand on va dans les semaines qui viennent... commencer à travailler sur l'artisanat, ce sera bien qu'on ait plus d'objets à créer. Plutôt les faire rebondir. Pour moi, le slime... Ah, c'est vrai que ça rebondit. Le slime, j'avais mis que ça... Attendez, je remets ça là. Le slime... idée artisanat. J'avais mis pour le slime, la boule de slime. Elle est où la boule de slime? Dans les pièges. Non, elle est où ma boule de slime? J'avais enlevé? Bah. Je l'avais enlevé la boule de slime. Oui. Je l'avais enlevé la boule de slime, mais en vrai, t'as raison. Oui, je sais pourquoi je l'avais enlevé. En fait, au début, je l'avais mise, mais je l'avais mis comme un truc collant. Le slime, vous savez, c'est collant. Donc, j'avais mis paralysie. Et du coup, c'était niveau 1. Mais comme... Je crois que c'est ça, hein, parce que je la vois plus. Boule de feu, ouais. Mais comme j'avais la laisse, je trouvais que la laisse était mieux et ça faisait redondant, donc je voulais pas. J'évite de mettre deux objets qui ont exactement la même capacité. Mais t'as raison, je vais la rajouter. Boule de slime. Et ça, ça va être repousse un adversaire. Donc ça, c'est
attire un adversaire et ça c'est repousse un adversaire. Bah je préfère que ce soit toujours la même chose, mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo, le risque ça les rapproche, mais... Comme on a la canne à pêche qui attire, on a le slime qui repousse, c'est pas mal, en vrai. Et je me fais toujours bouffer. Hein. Du coup, item database. Est-ce que le slime, on l'avait déjà mis? Peut-être qu'on l'avait déjà mis. Non. On peut la créer vite fait. Hein. C'est pas compliqué, la boule de slime. Slime ball. C'est un objet qui va dans le slot objet. Qui fait craft objet niveau 1. Ça vaut 2. Ça peut être stacké. Slime ball. Boule de slime. Slime ball. Bah, du coup, non. Non, t'as rien perdu, Mister Chic. Ça pourrait les coller à leur case? Non. Parce que ce que j'ai expliqué, peut-être que tu n'as pas entendu du coup à cause de la pub, je suis désolé. En fait, il y a déjà la laisse qui fait office de paralysie. Comme un peu un lasso, tu... Ah bah non, la laisse, pas la laisse. La... Qu'est-ce qu'il fait? Si, la laisse, c'est ça. La canne à pêche attire, la laisse, c'est un peu comme un lasso. Ça paralyse la personne. Donc, tu vois, solide lanière pour attacher une cible et l'immobiliser. Donc du coup, le slime, ça ferait la même chose et je veux éviter d'avoir des objets qui ont des gameplays identiques. Donc l'idée, par contre, que le slime repousse l'adversaire, cette boule rebondissante, cette boule est composée d'un matériau rebondissant qui éloigne la cible. Qui éloigne la cible. Tu vois, ça permet d'avoir un gameplay différent. C'est vrai que je raisonne plus... Enfin, j'essaye de raisonner à la fois en RP et en gameplay. Ralentir l'ennemi divisé par le... Alors en fait, tu peux pas faire ça dans mon jeu. Par contre, tu peux lui diminuer ses nombres de points d'action. En fait, dans le jeu, les points d'action servent au déplacement ou aux actions, mais il n'y a pas une unité spécifique pour les déplacements. Ouais. En fait, après, sinon, c'est un sort de... Après, sinon, c'est différent. Après, sinon, c'est un sort de zone qui fait que les cases sont plus difficiles à traverser. Donc ce serait genre une surface plus difficile à traverser. Ça peut être une idée. Mais j'aime bien l'idée de repousser aussi l'ennemi. Je trouve ça rigolo. Ouais, bon, après ça peut toujours changer. Hein. Mais je trouve ça rigolo là pour la boule de slime. Du coup, slime ball... ouais. Bah elle était là. Voilà. Donc c'est bon. Donc là j'ai créé ce que je voulais. Donc maintenant un petit export. Fichier. Non. Données. Export. Ouais, il rebondit au toucher, je trouve ça cool parce qu'en plus c'est un truc qu'on n'a pas, que j'ai prévu. J'ai prévu dans les types d'actions, j'ai prévu les actions de repousser, mais j'ai pas fait beaucoup de sorts comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez inédit aux objets, c'est ça qui est bien. Donc, database. En autoload. Hop, qu'on
place. Les translations en SSV. Qu'on met dans translation. Et on lance le jeu. Donc il n'y a pas tous les objets, là ils seront pas tous visibles. Faudra attendre qu'on crée le menu d'artisanat, mais au moins là maintenant dans artisanat et dans craft. Ah j'ai oublié la laisse, j'avais pas mis l'icône. Canne à pêche, piège à loup. Ah mais non, pourquoi j'ai mis le piège, je suis con. C'est un piège. N'importe quoi, c'est pas un objet. Bon bah on va l'enlever. Ça devait être dans les pièges en fait. Flèche d'acier plus 1. Poudre de choc. Flacon d'encre. Et là il y avait la slime ball. Sauf que j'avais mis la slime ball en niveau 2. Faudra peut-être qu'on change les icônes, du coup. Ou est-ce qu'on le met en niveau 2? Non mais ça va bien au niveau 1. Faudra qu'on change l'icône et puis c'est tout. Hein. De toute façon l'icône elle est plus bonne parce que... elle est plus bonne, faudra qu'on la change. Donc là j'enlève la wolf trap parce que c'est pas du tout. Et on va mettre la slime ball à la place. Mais faudra qu'on change l'icône. Parce que... Là, ici, il y a des flèches en or, alors qu'en vrai, c'est plus bon. Ah, j'ai pas rajouté la laisse. Et la boule de slime, elle est plus au niveau 2. J'avais mis une boule de neige, donc faudra qu'on change. Ça correspond pas. C'est pas grave, on va mettre autre chose. Alors, faut juste qu'on rajoute la laisse. Pourquoi la laisse Eh, parce que je l'ai pas mise, parce que je pensais qu'on l'avait déjà. Comme c'est Mimiche qui avait fait... Enfin, comme l'objet était déjà créé, je sais pas si c'est Mimiche, mais je crois que si, mais... Bref. C'est de ma faute, par contre, si j'ai pas rajouté la laisse. Là voilà la laisse, voilà. Et bah très bien. Ah là, cool Mr. Chic. Là, il faudrait plus de contraste encore. Bon, eh bien écoutez, c'est cool. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie énormément, c'était vraiment très productif. Merci pour toutes vos idées qui ont vraiment complété les idées que j'avais eues cet après-midi. Et c'est pour ça que j'aime faire AstroTerre en stream, là c'est vraiment interactif. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. On va faire un petit raid, il est très tard. Ah oui, alors petite précision pour demain, tiens, avant qu'on se quitte. Demain soir, normalement il y a un stream sur AstroTerre qui est prévu.
Mais mon fils, mon grand-fils et ma chérie vont au parc Astérix demain. Donc, du coup, moi je reste à la maison, je garde le petit. Tant pis, c'est pas grave, j'irai au parc Astérix une autre fois. Mais je ne sais pas à quelle heure ils vont rentrer le soir. Donc il est possible que j'annule le stream de demain soir. Ou alors je lancerai le stream, puis j'arrêterai, je ferai une pause pour les accueillir. Et puis après je repartirai en stream. J'en ai aucune idée, on verra. Donc voilà, donc demain le stream est aléatoire, considérez qu'il n'aura peut-être pas lieu. De toute façon, moi je bosserai de mon côté sur ce qu'on a déjà fait, donc normalement demain j'aurai avancé sur ce qu'on a commencé en stream, et puis soit je fais un stream demain, soit j'en fais un lundi, mais dans tous les cas, vous saurez bientôt, soit demain soir, soit après-demain, ce qu'il en est pour finir ce menu artisanat en termes de... d'arbres de talent, et puis après on pourra enchaîner sur la création de l'interface d'artisanat, des recettes, etc., des crafts, donc c'est cool. Ok, Charivari, c'est cool. Du coup, qui est en stream? Oh, il y a plein de monde. Ah bah, il y a toujours Akalis. Et bah, du coup, on va raid Akalis. Ah, trop bien, Mister MV qui continue sur Daggerfall, sachant que j'ai commencé à regarder le début, mais j'ai pas fini. Du coup, on va raid Akalis. Akalis. Hop, avec deux S. Eh bien, bonne nuit à tous. Merci énormément de m'avoir accompagné ce soir pour AstroTerre, de m'avoir conseillé, et on se retrouve donc soit demain, soit après-demain, pour la suite de notre artisanat. Bonne soirée, bonne nuit, ciao ciao ciao.